Bref, cette série est géniale. Bien joué. Je la compte. Est-ce que t'as pas eu un problème, genre, tu sais, en voyant la nouvelle série avec les acteurs et les nouveaux acteurs, de te dire, putain, mais du coup, c'est qui lui? Parce que je voyais sa tête avant. Si, tu la reconnais. Maintenant... Ah oui, quand même. Okay. Si, tu la reconnais de ouf, je trouve. Parce que le cast, il est vraiment bien foutu. Et alors après, je l'ai maté il y a un petit moment, donc je saurais plus te dire. Mais je pense que aussi ils ont pré-shot ça en faisant en sorte d'appeler les personnages tout de suite. Je vous mets le randomizer dans le chat que j'utilise pour générer au hasard une config. Je pense. Mais en fait, j'ai pas le souvenir d'avoir galéré à ce point-là, alors que je suis pas du tout physionomiste ou genre de choses. Et franchement, c'était smooth. Hein. Il y a des gens qui disent que le changement, ça a cassé le truc pour certaines personnes. Ouais, il y a des gens qui me disent ouais. Aussi ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai trouvé ça. Moi, je trouvais que ça allait. Et les acteurs. Et t'as Downton Abbey, c'est encore mieux en vrai dans le genre. Ouais, on m'a dit que c'était très bien aussi Downton Abbey. Encore mieux, ouais. J'ai jamais maté. Encore mieux. J'allais aussi vous poser la question, est-ce que du coup dans la cinquième saison, on sait si c'est aussi changement d'acteur, genre ils changent tous les deux saisons? Oui, ils changent d'acteur aussi. Okay. Là, c'est la merde. Et je trouve que les plans aussi, il y a trop de beaux plans dans cette série. J'en voyais vraiment. Alors, de toute façon, il n'y a pas de série moche en vrai maintenant. C'est toutes les séries. Non, évidemment, mais il y a vraiment une. Il y a des plans iconiques quand même. Il y a vraiment. Mais c'est parce que le générique, je le trouve trop beau. Et tous les génériques. Le générique est vraiment trop beau. Tous les génériques sont beaux. Ouais, les génériques sont vraiment stylés. Et toutes les femmes sont belles. Elle balance des trucs, des poncifs depuis tellement le début de soirée, tient, les beaux poncifs là. Les boules couleurs, tout le monde. Poncif la Switch. Poncif la Switch, ouais. J'avoue. Poncif la Switch, vraiment. Toutes les femmes sont belles. Après, ça les c'est vrai. Les goûts, la chance. Les goûts, les couleurs. Les goûts, les couleurs. Ultia, t'en penses quoi de cette bombe? J'en pense que tu l'as pas mise. Ouh. Et ça, t'en penses quoi de cette verte? Et t'en penses quoi de cette bleue que tu vas prendre? Non, c'est moi qui l'ai pris du coup. T'en pensais quoi de cette écran que je vais dodge? T'as pas le timing! T'as pas le timing! Dans une, je te prie! Ah non, mais pourquoi tu me prends là? Vous étiez le cerveau! T'as un cerveau! Oh putain, mais les feuilles sont immondes hein! Ouais, on va prendre ça, je vais faire la grimace! Non, mais arrêtez, mais j'étais bien! Tu étais en train de bien jouer! Bah ouais! Ouais, ouais, ouais. Oh non! Oui, ah, t'as voulu tester le duc? Non, mais je prends tellement cher. Et je me la mets dans le Hulk parce qu'il est premier. Bien joué. Non. Bien joué en twin. Merci beaucoup. Hop là. Il est heureux, Bowser Jr. Hop là. Elle est horrible cette map visuellement. Vraiment, je comprends pas les nuages. Elle est pas belle, elle est pas belle. Hein. Mais la map en elle-même est sympa, moi j'aime bien. Bon, je vais pisser, j'en peux plus. Ah mais t'as pas pissé. Je vais aller me chercher de l'eau en fait. J'ai pas eu le temps. Je vais me chercher de l'eau. Mais attends, je vote. Faudrait qu'on fasse une pause avant le jeu de Yoshi. 30 centilitres, puis 30 autres centilitres, etc. Non, petit à petit. Aller à Paris, je vous en supplie. Paris. À Paris, j'ai pas vu mes amis depuis longtemps. Est-ce qu'on peut aller à Paris? Merde, j'ai mis aléatoire. Oh, bizarre. Bizarre, oui, d'ambiance. Sans faire exprès. Rivenzi, il court sous la tour depuis le début là. Non mais Rivenzi, oh bah ouais. T'as un truc à faire, mec. Il a la même aim que sur Apex, il n'arrive pas à aller sur promenade de Paris. Je me souviens de la Zidane à deuxième game d'Apex là, pour le top 1. T'as ruiné Paris, mec. Tu vas me casser la gueule. Mais par contre, en no troll, tu te débrouilles bien, parce que t'étais en mode new Apex. Genre ça va, hein. Vous faites... Regardez les sims un peu. Bah oui, j'ai regardé. En vrai, ça va. Oui. Ouais. Alors écoute, on a bien prouvé ça. Non, on parle de Apex. Vas-y Ultia, souris. Non, c'est moi qui ai coupé la parole. Ah non, mais vas-y, c'est fini. Bon, allez-y là, dites, crachez là votre Valda. Je disais, Zerator, il nous a oublié pour le FFS ou quoi? Oh non, il avait dit fin mars en fait. Bah ouais, y'a pas de nouvelles pour l'instant. Ouais. Ultia, il a dit sur la date qu'il avait prévu. Dans 3 minutes. Hop, et on y va direct. Maintenant. Non, parce que j'avoue, après la Zidane, j'ai pas envie d'annuler un truc de fou fifou. Genre, imaginez, je prends un concert. Il y a un concert maintenant. Mais tu prends pas un concert dans. J'ai l'impression qu'il va y avoir ça. Concert de quoi? Concert de quoi? Le concert du guitariste des Bébés Brunes. C'est bien d'assumer, bravo. Bah, franchement, courage à toi, bravo. C'est vrai, en vrai, c'est énorme. Figurez-vous que moi, quand j'étais au collège et au lycée, j'aimais beaucoup les Bébés Brunes. Bah, t'aimes toujours. Et en fait, mais je croyais que je vous l'avais dit pendant les Amis Bro. Enfin, que je vous l'avais dit pendant le dernier Ponce la Switch. Et en fait, pendant les Amis Bro, voilà pourquoi je m'en mêle les pinceaux, je reçois un
Non, écoutez, je peux refaire mon histoire. C'est déjà. Vas-y. Tu parles des bébés brunes. On était vraiment, Vas-y. Mais je peux surveiller les pinceaux parce que je sais pas qui c'est. T'inquiète, y'a aucun souffle, vraiment. Ok, alors du coup, en fait, j'étais fan des bébés brunes quand j'étais au collège et au lycée, je suis allée les voir en seconde en concert. Et en fait, il y a assez longtemps, j'avais envoyé la photo de moi que j'avais prise avec les bébés brunes au guitariste des bébés brunes, Félix Semaine, sur Instagram. Et je lui avais dit, énorme, regarde, il y a cette photo. Mais je sais même pas si j'étais streameuse quand j'ai envoyé ça. Et en fait, il y a pas longtemps, lui, il m'envoie un message sur Instagram et il me fait, mais énorme, je regarde les amis bro tous les lundis. J'ai cliqué sur ton profil et en fait, j'ai capté que tu m'avais envoyé un message il y a longtemps pour me montrer une photo de nous à un concert. Et genre, il était en mode trop énorme, quoi. Et en fait, il regarde les amis bro tous les lundis. Voilà. Donc il te connaît en tant que streamer. Les amis bro, les bébés brunes, mais maintenant, ça me semble plus clair. Et donc, tu penses pas qu'il sera déçu quand je me réveillerai pas lundi ou pas? Arrête. Bah, par exemple, il sera deg. Ah, c'est une question. Tu peux pas décevoir le guitariste des bébés brunes. Non, mais je peux pas. Il y a pas de nom, il s'appelle juste le guitariste des bébés brunes. Non, mais je pense que je dormirai pas, comme ça, c'est sûr. Oh. Oh là là. Oh non. Quelle vie de roi. Non, mais faut que je me recale. Je pense que là, c'est bon. Là, demain, je me recale. Je me lève à 16h et c'est gay. Ouais. Attention, je sais pas s'il y a un peu de chat ou pas. On me dit Zera a dit qu'il avait prévu fin mars, mais il s'est rendu compte qu'il ne serait pas là aux dates prévues. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, ouais, mais vous m'avez pas écouté. Pardon, j'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu. J'ai pas entendu moi non plus. Mais tu t'es mute, t'es obligé. Rapproche ton micro. Il y a plein de gens, ils pensent que t'as pas fini ton histoire en fait, mais en fait, si, t'as fini ton histoire, Ultia. Comment ça, Rive? Non, j'ai fini mon histoire. Bah, ce qui est drôle, c'est que le guitariste des Bébés Brunes regarde les Amis Bro. Les Amis Bro, c'est une émission que présente Ultia sur le stream. Voilà. Oui, voilà. Ah oui. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Tu dis ça comme si tout le monde connaissait Ultia, voilà. C'est vrai. T'es en territoire conquis, quoi. Rivenzi, je te jure que si tu revotes aléatoire, je saute de mon balcon. Vraiment. Genre, je saute d'un coup. Arrête. Promenade à Paris. C'est pour cette histoire, du coup, il reporte le FFS. En tout cas, il est en Centrafrique en ce moment. En gros, ce qu'il a dit, c'est qu'il avait prévu à une date initiale le Mario Kart, mais je crois que c'était la semaine prochaine. Et il a dit qu'en fait, sur Twitter, qu'il s'était rendu compte qu'il avait prévu le FFS à Mario Kart, mais qu'en fait, il était pas là ces dates-là. Et voilà. Ah, okay. Et du coup, j'ai pas plus d'infos que la personne qui a parlé dans le chat, mais j'avais dit juste avant, quoi. Moi, je suis pas au courant. Et donc en gros, il y a peut-être pas de FFS, quoi, en gros. Après la Zilane, quoi, potentiellement, je pense. Mais plus tard, quoi. Ah oui, après la Zilane, c'est quand déjà? Ton beau train, Ultia, c'est bon. Après la Zilane, il y a le Genesis, donc FF. C'est quand, Genesis? Genesis, c'est un tournoi à Saint-Tro, c'est le grand tournoi de Smash. Ah bon? Avril, ok. Non, de Fight. Non, 7, 8, 9, avril. Ah, 7, 8, 9, avril, ok. Mais est-ce que maintenant qu'il n'y a plus l'Evo, est-ce que c'est pas le plus grand tournoi à Smash? Bah, c'est le grand tournoi. Ouais, c'est le plus grand tournoi. C'est le remplaçant de l'Evo de très très loin. Il y a, je crois, 4000 inscrits en tout compris. Il y a plus de 4000 inscrits et ça va être un tournoi de fou furieux. Parce que franchement, qu'il n'y ait pas Smash à l'Evo quand même, c'est un truc de fou quand même. Ouais, c'est un truc de fou. En vrai, c'est logique, mais ouais, ça fait chier. C'est logique parce que ça a été racheté par Sony, quoi. Exactement. Oh non. Le plus grand tournoi de... Quoi? De jeu de fight. Oh. Ouais, mais tu m'as focus. J'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mais pas du tout. Arrête. C'est fou de faire ça. Œil pour œil. Mais y'a pas... Je n'ai rien fait. Je n'ai vraiment rien fait. Oh, voilà. Oui, ah oui. Ah oui. M'en veux pas, Ultia. Pourquoi? C'est toi? Peur. M'en veux pas. T'es nul. M'en veux pas, Ultia. J'avais une protec il y a 2 secondes, je l'ai jeté sans faire exprès. Ok, donc FFS Mario Kart probablement après Zilane. Ça veut dire ça? Ouais, je pense. Ouais, okay. Je pense à mon avis. Ah, ok, putain, j'avais pas la ref. Oh, mais moi je travaille comme une dingue depuis. Bah, du coup, ça te laisse plus de temps pour traiter, c'est pas mal, ouais. Tant mieux. J'avais chamboulé toute ma prod. Bah, ouais, mais c'est très bien. Bah, ouais, au moins c'est pas du temps perdu, hein, lui. De ouf. Au contraire. Jamais eu temps de... Surtout le train Mario Kart, ça n'a jamais eu temps de perdu parce que de toute façon, il y a toujours des compétitions sur ce jeu quoi qu'il arrive. Donc, comme tous les dimanches, oh non, à 15h. Exactement, tous les tournois. Désolé, bro. Désolé, bro. T'as pas dodge la rouge, c'est dommage. Oh non, c'est un virage de l'enfer et on me bourrine dessus. Riv, il est bon. Le maillot. Hop là. You, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une honte. C'est honteux.
Ryu, tu faisais quoi? Bah, je sais pas, il faisait une petite garde. Il a déprimé. Oui, voilà, parce qu'en fait, je vous avoue que. Je suis en train de stresser d'un coup parce qu'en fait j'ai le concert d'Angèle le 20 avril. T'as fou le concert? Au pire, tu veux. Et au pire, c'est un mercredi. Les... C'est un mercredi. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Okay. Parce qu'après, en fait, du coup, parce que Zerator avait dit de base que ce serait pas le week-end, mais c'est quand il pensait que c'était fin mars. Donc ça se trouve, là, ça va être un week-end du coup, le FFS. Donc, à mon avis, tranquille. Non, mais je vais lui envoyer un message. Je regardais le film de Ryu. Sinon, t'envoies un message à Angèle pour qu'elle dégale son concert. C'est plus simple que Zera, en vrai. Elle peut faire un effort après. Hein. Ou sinon, t'écoutes Demi Mandé aussi. Oh, ok. T'as dit quoi, Antoine, de désagréable encore? J'ai rien dit. Si, il a dit tes coups de meilleurs trucs, la délation, Pompon la délation. Voilà, c'est ça, le snob. Ah là, par contre, je vous ai la même map, j'ai pas fait gaffe. Vous aimez pas Angèle? Quoi? Vous avez rien dit? Quoi? T'as dit, vous écoutez de meilleurs trucs? Quoi? Qui a dit ça? J'ai rien compris. JD, pourquoi t'as... C'est entre ah, il s'associe à Nice en mai? J'ai rien dit. Mais non, mais vas-y, je prends mes places. Je la verrai trois fois du coup. Non mais quoi? Oh là là. Qu'est-ce que ça en mai? D'accord. Oh, j'avoue, il va au Nikaya en plus. Trop bien. Ok. Trop bien. On a aucune rêve, ça me détruit. Mais... Oh là là, rien, au Nikaya, let's go. J'ai... Oui. Est-ce qu'elle passe à Brest, Angèle, ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'elle passe à Dunkerque ou pas? Est-ce qu'il y a pas ça et Soukouzan? Est-ce qu'il y a pas à Jean-Bas de là, s'il vous plaît? À Jean-Bas de ça? Jean-Bas de ça, à mon avis. Jean-Bas de ça? Ouais, Jean-Bas de ça, ouais. Quoi, Jean-Bas de ça? Jean-Bas de ça? Tu connais pas Jean-Bas de ça? Tu connais App? C'est quoi? Tu connais App? C'était un groupe, c'était number one? Cultivez-vous juste, mais. C'est quoi Jean-Bas de ça? Jean-Bas de ça. Mais putain de camion! En fait, chez moi, il y a deux bleds côte à côte qui s'appellent Jean-Bas de là et Jean-Bas de ça. Non, mais non. Voilà. C'est tout. Ils sont jumelés ou pas c'est du tout? Non, non, non. Mais c'est ils sont rivaux! C'est, dit, c'est même pas des vrais. Ils sont rivaux. Ils sont rivaux. On va niquer les Jean-Bas de là! Et les Jean-Bas de ça, on vous baise! Monopole de la Jean-Bas de ça, c'est réel. Et toi, elle arrête de faire la gueule! Ah, c'est vrai qu'on a pas dit. À mon avis, il écoute du rail bien trop. Oh, le joueur là. Fun là. Ah non, il s'est pas mute. Oh, étoile, pitié. Dommage, j'ai des dans les runs là, putain. Étoile, fallait juste mieux jouer avant, c'est pas grave. Pas tort là-dessus, par contre. Ça arrive d'être. Pas bien, grave, étoile. Juste toi, ça t'arrive souvent. Voilà. Pas grave. Voilà, tu vois. Moi, j'en fais pas tout un plat. Ok. Oh. Bon, non, mais c'est pas possible aussi. Oh, j'ai dodge en éclair avec ça. Oh, la dingue. Ah, moi aussi, j'ai dodge l'éclair avec la voiture. En tombant, mec. Oh, la dingue. Mais non. Mais oh, non. J'ai raté. Bah, parce qu'en fait, je suis un tank. J'ai dodge l'éclair. Mais non, il est si fort. Et toi, elle? Non. Ok. Ah, voilà. Ah, wake me up inside. Ouais, bien sûr. J'ai reconnu. Putain. Non, en vrai, vous pensez qu'il écoute quoi, là, Ryu, en vrai? Il écoute Evanescence. Il écoute Evanescence. Ah, il est en full Eva? Ok. Ouais, il est en full Eva. Full Eva, ok. Il est en full Eva, là. Full Eva, tranquille. Let's go. Hop là. Bring. Hop là. Hop là, hop là. Ok, en full Eva. Ah, putain. La petite verte. Hop là. Non, c'est pas honteux d'écouter du Evanescence. Il est en fou. Il joue avec le gyrosque. Il joue avec le gyrosque. No shame. Ryu, il joue avec le gyrosque. Bring me to... Twitch ou pas du tout d'ailleurs? J'en ai jamais eu un seul. Ouais, mais pareil, j'en ai jamais eu un seul, mais je les check souvent parce que quand même on sait jamais. Concernant les musiques, ça peut aller vite. Ah, genre t'es pas notifié? Bah, des fois tu envoies un mail, moi. Notifié, je suis prêt. Je suis pas sûr. C'est où?
C'est écrit sur le dashboard à droite, enfin, tu le vois très vite. Tu, hein, si tu vas dans contenu et tu vas dans gestionnaire de revente. Tu l'as mis beaucoup trop. Ah non, mais je pensais que t'avais une vraie anecdote. Ouais, moi aussi, ouais. Il est décevant, il est décevant de ouf. Décevant, vraiment. En fait, tu lui dis avec tellement de conviction que t'as envie d'y croire, quoi. T'es en mode, mais non, mais c'est pas vrai. Je me suis pas caché avec lui. Tu t'es clashé déjà avec d'autres stars du PAF, JD. Je réfléchis, non, en vrai, ça va. Ah, t'as vraiment très hardu, tu sais, par contre. Hein. Genre, vraiment, il y a des moves que tu fais tellement mieux qu'avant. Bravo. Bravo. Le titre, c'est Bring Me to Life. Bravo, de toute façon, si t'étais vraiment embrouillé, il le dirait pas publiquement. Ouais. Bien sûr. Après, je aime bien la culture du clash aussi, donc... Oui, bien sûr. Il développe souvent ça, ouais. Ok. Oula. Et il adore la culture du clash, donc ça tombe bien. Il va répondre directement, là. Regarde sa réponse bientôt, là. Pleine de haine. Non. Tu vois ? Moi, j'aime bien l'ultime. Purgestant de haine. Tu vois, il est haineux. Il est au fond du gouffre. Non, moi, je pense qu'il faut être dans la bienveillance. Non, ouais, c'est important. Ouais. Moi je veux pas. C'est un mot que je ne peux plus taquer. Ouais, ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Un mot que je ne peux plus taquer. Mais j'ai un red flag maintenant quand quelqu'un le dit. Ah ouais, j'entends ce mot-là, mais je pète un plomb. Je pète un plomb. Ça casse les couilles. Un red flagging. Par contre, est-ce que tu vas péter un plomb quand je vais te mettre ma banane? Antoine, réflexe. Waouh, la masterclass. Oh non! Masterclass, mec. Antoine, réflexe? Bon, bah non, c'est bon. Ouais, bien joué le réflexe. Attention à toi. Même pas eu de... Attention à toi. Oh non, mais sale chien. Ah ouais. Ah oui. La rouge, elle venait d'où là? Elle venait de moi, bro. Oh, mais elle est... Ouais, toi. Oula. 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 Spilly Bond avec un bonhomme. Oh non. Wow. I'm the skat, man. Oh, cinquième, c'est dur. J'en ai marre. Skoletidas pokebetes kunumarba. Quoi? Je mets mon trajet en fin. Il est en train d'invoquer des gens là. Je vois rien sur le profil Twitter de Zerator sur le FFS. Et moi aussi j'ai cherché, j'ai rien vu. Il a dilaté, il a regretté. Il a regretté, il a dilaté. Non mais je vous jure, je vois rien. De quoi? Peut-être en réponse, non? Je sais pas. Ouais, c'est ce que je regarde, Ça va, Rayou? Je suis en train de stalker Zerator, je suis au 19 mars. Mais alors, Rayou... Et 19 mars, c'est demain, c'est pas possible. Rayou est en train de foutre la WC, là. Non, mais vous avez bien joué, en vrai. Merci beaucoup, mec. Merci, mec. Il n'y aura pas de FFS, à mon avis. Hein. Non, mais non, si, il y en aura, mais plus tard. Il n'y a pas de tweet, hein, par contre, hein, je suis sur la chaîne de... Pour le coup, je suis sûr de l'avoir vu, pour le coup. Enfin, genre, vraiment, je suis persuadé. C'est toi qui l'as vu ou on te l'a dit? Non, non, je l'ai vu. Peut-être que c'était une réponse dans un tweet de réponse à quelque chose ou je sais pas quoi, mais je l'ai vu sur Twitter. Mais je suis dans ses réponses là. Et eh ben je sais pas, tiens, je vais trouver la solution, je vais lui envoyer un tu petit message. Tu peux pas avancer des trucs comme ça, c'est pas possible. Désolé. Ouais, parce qu'en fait, il est en République centrafricaine. Il a des informations. Mais non, mais ce soir il est chez AlphaCast, il peut pas être. Pendant le FFS ça. Ah, pardon. Donc, le FFS il aura pas lieu. C'est n'importe quoi ce que tu dis, Antoine. Il aura lieu, le FFS. Mais je le dis ça. Vous me rendez fou, vous me rendez complètement barjo, quoi. C'est la meilleure Flo. AlphaCast habite en Centrafrique. Ah ouais. Anecdote, est-elle vraie ou est-elle fausse? Elle est 100% vraie. Oh, c'est vrai, je crois. C'est absolument vrai. En Centrafrique. Oui, à Bangui. Il cale sa petite ref. Il est trop fort. Mais comme la compris du moment, on en a plus, on l'étale, quoi. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est bon. Putain, mais roulez-moi dessus là. Revenons au jeu, s'il te plaît. Parlons de Mario Kart. Soyons un petit peu plus sains, le jeu vidéo. Désolé. Oh, s'il te plaît, là, je sais que. C'est compliqué peut-être pour nous tous, bien sûr, mais là, hormones travaillent, mais il faut quand même être un petit peu. Un petit peu plus de décence. Pour rester un petit peu droit dans ses bottes, quoi, bien là, sûr. Là. Ouais, bien sûr. Roulez-moi dessus, qu'elle nous a sorti. C'est pas le moment pour parler de tout ça, quoi.
sûr. Quel taf. Bien sûr, bien sûr. Oh, Ryu, par contre, my bad, parce qu'il me semble effectivement qu'il ne l'a pas tweeté. Il semble qu'il a dit sur son live. Mais t'as dit que t'étais sûr d'avoir vu le tweet, mec. Ouais, bah ouais, attends, y a un problème là. C'est juste un menteur en fait. Non, mais désolé. Non, mais on me le rappelle parce que t'étais pas sur son live. Et en fait, je me suis rappelé que je l'ai vu effectivement parce que je vais pas souvent sur les lives de Serator, mais j'y étais l'autre soir. Ah, tu l'aimes pas, c'est ça? Oh, la double bombe! Antoine, faudrait qu'on regarde le POV d'étoiles de ce qu'on vient de faire. Faudrait qu'on regarde le POV d'étoiles, c'est tellement drôle. Ça le chien, va. Oh, calme-toi! Mec, oh, mec. Qu'est-ce qu'il y a, Backspam? Bah, je l'ai pas volé celle-là, je l'ai pas volé, putain. Non, en plus, vous allez me voir jouer comme un connard avec mon gyroscope. Attention à la verte. Ah ouais. Juste un mytho, mais j'aime pas mytho, c'est vrai. Juste un mytho, que... mec. Mais non, mais je mytho pas. Un menteur, putain. Oh non. Attends, il faut que je fasse un truc. Bien joué. Oh oui, ça a marché. Mais ça ne sera pas suffisant, probablement. Attention dans le cut, hein, Ultia. Ouais. Allez, non, t'es un connard. Non. En même temps, t'avais qu'à coopérer. On avait coopéré sur Ryu. Yes. Yes. Avec la bille, je reviens devant angle droit. Oh là 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 là. Ah, la déco. Je l'abaisse que là, sinon. La déco, mais au fond quoi? La déco, mais au fond quoi, les gars? Putain, je me suis fait frame trap sur Mario Kart quoi. Bon, ça me torture l'esprit. J'envoie un message à Zerator. Très bien. Oh, ok. Maître, elle va venir chez une pendule, hein, l'autre niçoise là. Elle va s'embêter. Non, mais attends, mais quand tu t'investis, c'est chiant, mec. En vrai. Imaginez, c'est le concert d'Angèle et tout, genre. Ah ouais, ce serait. Ah oui, là, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai parlé trop vite. Tu n'es pas la grognasse que j'imaginais, c'est vrai. Quoi? J'hallucine. Oh putain, mais Florence! Toi, t'es la grognasse qu'on voulait pas, justement! De qui on parle? De la Florence, là. Florence la grognasse! Florence la grognasse! Putain, mais pour. Oh là là, étoile. J'allais dire, c'est chez Florence? Non, mais. Non, c'est chez étoile. C'est chez étoile. Je suis là pour passer une bonne journée! Je suis là pour m'amuser, je suis là pour sourire, je suis avec mes amis, vous êtes des gens exceptionnels, mais pourquoi vous pouvez avoir des goûts de merde? Vous allez pas vous habiller en vous mettant du tarama sur le corps! C'est pas grave si Ultia va au concert d'Angèle, étoile! T'as pas bien le rapport, hein, putain, il se vénère. Non, faites pas un plomb là-dessus à ce point, c'est bon. Laisse la kiffer juste. On se fait vraiment un pack baby là. Le tarama. Attends quoi? C'est quoi le tarama? Non, t'es. Riff? Si, j'ai déjà mangé du tarama, je pense. il s'est instantanément retiré sa tête. Ah, mais non, mais si, c'est pas le truc rose de tarama? Si, c'est ça. Il s'est instantanément retiré. Ah non, si, je vois, oui. Oui, si, le tarama, bien sûr, pardon. J'avais. Non, oui, ok, tarama. Ok, tarama, bien sûr. Sur le tarama. Tarama et pas taramu. Où là, clairement, tu te poses la question. Le taramu qui, pour le coup, n'a rien à voir parce que le taramu, c'est une pratique sexuelle, évidemment. Le taramu. En Indre-et-Loire. Le taramu, bien sûr. Le taramu inversé. Le taramu inversé, bien sûr. C'est quand je viens, évidemment, susurrer les testicules de mon conjoint. Bah, quoi? Le taramu inversé. Une musique. Trop d'informations là. Hein. De tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Et de jazz en regardant du karaté. Tout va bien. C'est quoi ce. Après. Ouais, là, ça va, les gars? Pas de clinch. J'ai passé une bonne soirée. Oh. On peut parler là aussi, ça va. Oh. Il y a rien. Allez. Le taramu. Troisième. Merveilleux. On est taramu, bien sûr. Il est en full pingouin unijambiste, la what the fuck, les amis, quoi. Je suppose. Qui, comment ça? Oh, mais what the fuck, j'ai parlé en pingouin unijambiste. Je me suicide. Je me suicide. Je suis en pingouin. T'es habillé comment, Ponce? Bah, je suis nu en bas, en tout cas. On voit comment je gagne cette coupe. T'es nu sous ton shirt? Oh, bien joué, JD. À deux points. Je comprends pas, mais. T'es habillé comment, Ponce? Je suis nu. Il répond pas, il est. He's so crazy, I love him. Je suis nu. Du coup, on se met en Yoshi. Si je dis Yoshi, je suis nu, Aurélien. Ouais, la pause. Allez, pause. Je vais aller en même temps et je reviens. Pendant ce temps, on explique le jeu du Yoshi. Le jeu du Yoshi, messieurs, dames. Le jeu du Yoshi est extrêmement simple. Nous allons partir tous en Yoshi de couleur verte. Oui! À chaque fois que nous allons faire une course et qu'il y aura quelqu'un qui sera dernier, cette personne devra changer la couleur de son Yoshi pour devenir jaune ou orange. Oui. On va dire orange. C'est quoi orange? Ensuite. Ouais, orange, direct. Oui, je pense qu'autant faire ça, on est 7. Vert, on reste... orange, rouge? Ouais, on fait vert, orange, rouge. Tout à fait. Quand on est rouge, on est éliminé, on ne peut plus gagner, etc. Par contre, quand on est rouge, si jamais, par exemple, on est. Si on est dernier quand on est rouge
et que juste devant nous c'est quelqu'un qui est par exemple vert, cette personne va passer orange parce qu'elle est considérée comme dernière, les rouges ne comptent pas pour le classement, je précise. Et donc le but c'est d'être le dernier par rouge, tout simplement pour gagner une Lamborghini qu'on enverra directement par la poste. Voilà, purement simplement. Voilà. Bien sûr. Donc tous en Yosh. Bien sûr que ça rentre dans la boîte aux lettres, en vrai. Évidemment, vous n'avez rien compris, évidemment. Vous n'avez rien compris ? Merde, on peut réexpliquer ? Merde. Vas-y. Ouais. Le jeu de Yoshi va durer un certain nombre de courses, on ne sait pas exactement combien, on va tous démarrer en tant que Yoshi vert, sauf que lorsque nous choisissons notre personnage Yoshi, on peut choisir différentes couleurs, on peut considérer ça comme des PV, purement et simplement, partez du principe que nous avons deux PV. Oui, le PV comme que t'as pris pour moi, oui, je vois. C'est vrai qu'on s'est tapé un PV, putain, c'est vrai. Mais non, pas ça. Ah, qui est-ce qui conduisait alors ? C'était moi. C'était premier oh PV. Oh là là, ouais, premier PV de ma vie. Toujours à 20 km/h qui se fait choper au radar. J'allais à un radar. Ouais, j'allais flasher, pense. Ouais, j'allais à 77 sur une route à 70 où on pensait que c'était 90 quoi. Mais que t'es un malade. Ah, je suis. Mais de toute façon, moi, dès que j'ai une bagnole, faut pas. Moi, ça part en caca. Malade. La petite astérisque, c'est que comme j'étais le seul inscrit sur la voiture, et bien, c'est moi qui vais perdre le point, bien sûr. Donc voilà. Non, tu peux dire, hey, c'est Ponce, ça marche. Hein. Enfin, non, pas comme parce ça, que mais... ils avaient, c'est une location et du coup, ils avaient qu'à faire les choses en règle et dire que Ponce était deuxième conducteur et ils l'ont pas fait. Voilà. Ah oui. Ouais. Et c'est la première fois de ma vie que je me prends une amende pour ça. Ouais. Chauffard. C'est vraiment les règles, c'est les règles. Ouais, les règles, c'est les règles, c'est les règles, c'est comme ça. C'est chaud. Chauffard. Chauffard. Du coup, l'explication des règles du Yoshi. Tout à fait. Merde, attendez, il y a un compteur là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Mais il a lancé. Attends, quoi ? C'est quoi, quel compteur ? Ah, mais quoi ? Ah, ça parle ? Étoile ? De quoi ? Étoile, il parle plus. Mais, Rayou, 8 courses en jeu du Yoshi, c'est impossible, par définition même. Ah. Ah. Rayou ? T'es mute, Rayou, si jamais. T'es mute, hein, excusez-moi. Ah. C'est combien de courses ? Mais en 48, non, mais la bouche pleine. Mais en 48, comme ça, on quitte qu'on a terminé purement et simplement, on n'est pas limité par le time. Oui. Je répète, le jeu du Yoshi. Partie du principe que nous avons tous deux vies. À chaque fois qu'on termine dernier, on perd une vie. Quand on a deux vies, on est vert. Quand on a qu'une seule vie, on est orange. Et quand on a zéro vie, c'est-à-dire qu'on ne compte plus, on est rouge. On roule quand même la game, mais on ne compte plus d'un point de vue du classement. Donc on va plus essayer de poser souci auprès de nos adversaires, purement et simplement. Est-ce qu'on fait la règle du si jamais tu es derrière un rouge, alors tu perds une vie, même si t'es pas dernier ? Est-ce que non, je veux non, dire non, non, okay. Non, 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 ça va être trop court. Ok. Et ben voilà, je crois qu'on a tous les infos. Donc à chaque fois qu'on est dernier, on perd une vie. Donc on change de couleur et le but est d'être le dernier à avoir encore des vies. C'est le battle royale. Il y a quelqu'un dans mon chat qui a pas écouté. S'il y a moyen que tu répètes les règles, pense. J'en peux plus. Là, vraiment. Qui a pas écouté ? C'est Yanis avec plein de S. Yanis. Ok. Le jeu du Yoshi. On démarre en Yoshi vert. Tout le monde en Yoshi vert. Vert veut dire deux vies. On peut perdre des vies, on perd une vie à chaque fois qu'on est dernier de l'ensemble de la carte. Lorsque nous perdons une vie, c'est-à-dire qu'il nous en reste plus qu'une, on passe orange. Lorsqu'on perd notre deuxième vie, c'est-à-dire qu'il nous en reste donc zéro, on passe rouge, on est donc éliminé, mais on continue à jouer les maps. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez pas entendu, je... C'est pas très clair, mais je vais faire... Bah, vous voulez que j'aille ? Cut Banana qui dit je comprends pas. Alors, comment on fait si on est daltonien pour suivre le jeu ? On peut choisir d'autres couleurs. Pour un mode plus adapté. Ouais. Redis-le peut-être plus lentement pour que tout le monde puisse... Non, je sais pas, peut-être que j'abuse en demander ça, mais... Le jeu... Je viens d'arriver, de quoi on parle ? Quelqu'un vient de demander. Oh, putain. L'angoisse. Répète, c'est vraiment la dernière si fois voulez, que tu répètes. Si vous voulez, il y a une commande dans mon chat, point exclamation Yoshi, n'hésitez pas à sub aussi. Ah, ok. Voilà. Quelle grosse... Ok, c'est ok, c'est calé. Ça donne pas envie, ça donne pas envie. La grosse personne. Ok, très rapidement, Yoshi, on commence tous avec le Yoshi vert. Le dernier de chaque game perd une couleur. On passe de vert à orange et de orange à rouge. Le but est d'être le dernier Yoshi de la room à passer au rouge. Ah là, c'est moi qui n'ai pas compris. D'accord. Mais je voulais dire, moi, est-ce que tu pourrais. On pourrait faire un truc ? Parce qu'en fait, moi, je joue avec des persos légers d'habitude. Du coup, Yoshi, c'est un perso normal. Est-ce qu'il y aurait moyen d'adapter les règles peut-être en fonction? Bienvenue dans le maître des fleurs, le battle royal de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies, on pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Qui sera le maître des fleurs? Allô? 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 Ok? Oh, c'est pas vrai. Wouh! Let's go! J'en peux plus, putain.
non mais. Oh non. Salut à tous, c'est Gims. Oui. T'as mis des IA ou pas? Ah, je pense que ça aurait été mieux sans IA, mais allons-y. Allons-y, mes amis. C'est pas grave. On peut. Mais t'inquiète. Ah, on c'est en 200 ou quoi? Non. Non. Non, pour le coup, c'est 150. On peut refaire, ça peut aller vite. Non, non, mais c'est bien avec les IA. Ouais, on refait sans IA, ouais. Non. Non, 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 mais du coup, le dernier d'entre nous, pas le dernier de la game, quoi. Sinon, on. Oui, oui, bien sûr. Parce que non, on n'est pas rendu. Oui. Allez. De quoi, Plan? Non, je dis, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu là, effectivement. Pas rendu. Alors on en fait, je dis ça, c'est une situation, mais en fait, il y a plein de gens qui ne la connaissent pas. Pas rendu. Vous bien la connaissez. Sûr. Je la connais, pas rendu. Bien sûr, on n'est pas rendu. Bien sûr, d'accord, mais mais on n'est pas arrivé, quoi. C'est une expression qui est en train de se dérégionaliser. Oui, je l'ai vu sur Twitter, effectivement. Moi aussi, j'ai vu ça. Fait, ça se dérégionalise. Et c'était pas breton à la base, d'ailleurs? Ça vient de l'ouest de la France. Ça vient de l'ouest, après, je ne pourrais pas dire si c'est la Bretagne ou. Il n'y a pas tout qui est breton à la base, de manière générale? Non, pas du tout. Alors, si. Pour le coup, le Mont-Saint-Michel par exemple est breton à la base. Aïe, alors. Ouais, attends, enfin, je prends une bombe à ce moment-là. Ah, tu vois. Ouais. Elle, la bombe normande ici. Justement, ouais. La bombe normande, le. Et... Oh non, c'est toi qui as fait ça? De quoi? Angle? Bouf! Qu'est-ce que j'ai fait? Rien? La bombe. C'est moi, non, ah non, j'ai pas eu de bombe. Non, non. Ah, c'est la bombe normande. Merde. Oh non. Oh, c'est la tiens, dans ta main! C'est la fin du monde. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'aller super vite, je comprends pas pourquoi. Putain, quel son de fou. C'est la bombe normande. Putain, tu la connais par cœur, hein, you, what the fuck. Il est fan. J'ai... En vrai, j'ai une bonne mémoire sur les musicans. T'as une bonne mémoire overall, non? De manière générale. Non, la rouge, bien joué, j'aurais pas dû la jouer. Overall, yeah. Overall, yeah, you've got a good memory, dude. Overall, yeah. Je me fous de toi. Je me fous de ta gueule. Non, c'est pas vrai. C'est ça, la parole. Oh non, oh non, j'allais prochainement raccourcifier. Raccourcifier, oh bien oh sûr. Non, j'ai le démon. C'est une catastrophe. Le jeu du Yosh. Merde. Hop là. Wouh. Oh non, quoi? C'est deux. Oh non, sérieux. Le jeu du Yosh. Le loser. C'est Rivenzy. C'est moi. Passe orange. Tu passes orange. Oh, j'ai tellement pas eu de chat, c'est abusé. Comment t'as mis la verte, Florence, sur moi? Eh ben, j'ai bien visé, c'est tout. Ok, chaud, ok, chaud. En vrai, j'étais vraiment, genre, j'étais à ta droite, quoi. Genre, enfin... Non, t'étais en face de moi. Ah ouais, moi, je te voyais à ma gauche, justement, enfin, un peu sur le côté. Pourquoi il passe orange? J'ai pas compris. Quelqu'un m'a... Non. Il est pas dispo. Non, c'est pas vrai. Ouais, quelqu'un a retrouvé le clip. C'est lequel? Je te l'ai mis dans Blabla Streamer. Ok. Mais je ne sais pas ce qu'il lit dedans, donc je te l'envoie juste... Ah, j'ai retrouvé le clip. Oui, c'est ça. Attendez. Mais c'est ça. J'attends. Oh non, ult. Ult, tiens, ça va. Qu'est-ce qui se passe, ult? Elle regarde le clip. Oh non, ult. J'ai pas vu le clip. Ah oui. C'est exactement en fait, ce clip que j'ai vu. Je vais faire en sorte que le clip n'est pas dispo. Je me suis programmé le FPS Mario Kart et tu es pas là. Et comment on fait? On le fait quand même? Pourquoi faire? T'as y joué tout le temps? Non, je vais décaler, tant pis. Hein. Trop bien le TLC. J'adore con, les nouvelles courses. C'est Antoine qui va être décalable. Non, peut-être que je vais en République centrafricaine. Les deux maps que j'ai choisies sont passées. À ce moment-là. Chocolat vanille. Mais en gros, dans le clip, il dit qu'il est en Centrafrique. Littéralement ce que je vous ai dit en fait. C'est littéralement ça, oui. Oui, c'est vrai. Et personne m'écoute. Mais je savais pas s'il y avait plus d'infos mais que si, ça. Mais, ou fait, mais en fait, on te croyait pas. En fait, on a juste, on a pas confiance en toi. D'accord. Okay. Mais... Juste, on a aucune confiance, bro. Okay. Quelqu'un dans mon chat qui s'est fait chier à retrouver le clip en question. Je merci beaucoup. Mais merci. Que les efforts ne soient pas merci vains. Mais merci pour le clip. Personne, bien sûr. Mais donc ouais. La personne s'est fait bannir parce qu'elle a posté un lien, mais bien vu. Ce sera donc décalé, en effet. C'est bon. Pas grave, c'est décalé. Il dit qu'il est pas sûr. Non, c'est pas très. Si, c'est sûr. Ouais, il va pas faire un FFS où il est pas là, ce serait un peu dommage. On est en direct de Centrafrique pour le FFS, bien sûr. Ce serait un peu dommage. Il va le faire. Non, je pense qu'il va le cancel, je pense. Non, il cancellera jamais. Moi, je lui ai envoyé un message pour lui dire ne le mets pas le soir d'Angèle, s'il te plaît. Non, parce qu'en vrai, je me suis tellement entraînée que vous imaginez même pas à quel point j'aurais trop mal au cœur.
Elle va nous faire une surperf. Gagner ce FFS, tout le monde sera PogChamp. C'est tout le mal que je te souhaite. Tout le mal qu'on lui souhaite, là. Putain. Eh, mais d'ailleurs, je viens de capter les mots PogChamp. Elle a pas un peu disparu du bail, en fait. Je suis au bout du roulant, vraiment, depuis le début de la fois. Elle est tellement moins utilisée qu'avant, PogChamp, en fait. Du coup, depuis qu'elle a changé, qu'elle est devenue un crocodile. Oui, enfin, elle a beaucoup moins. Enfin, un lézard, pour moi. Un lézard, oui, pardon. Genre comparé à avant, où vraiment il y avait. Ouais, moi aussi, mais avant il y avait vraiment énormément de PogChamp, souvent, ouais, tu vois, à chaque move. C'est vrai. Un Komodo, s'il vous plaît, on me dit. Un Komodo, effectivement. Le Komodo, c'est ce qu'il y a dans les voitures, je suis en train de faire. Putain! Oh non! Oh non! Non! Okay. Oh non, c'est pas vrai, c'est tellement bête. Oh là là! Hop là! Tranquille! Tranquille! C'est Florence! C'est Florence qui perd une vie là-dessus et qui passe orange directement! N'oublie pas de changer de couleur. Je suis saoulé. C'est vrai que je sens quand même, Florence, une tension depuis le début de soirée là. Mais ouais, mais je me fais. J'avais que des métaphores sexuelles, donc je vais éviter. Les amis, il y a quelqu'un qui le dit dans mon chat et en vrai, ça m'a fait un électrochoc. Il dit: sachant que t'as vécu à côté du Maine-et-Loire, est-ce que t'as déjà entendu parler de crayon de bois pour les crayons à papier? Moi, j'ai jamais dit autre chose que crayon de bois. Ah non, moi c'est crayon, ah, à papier. J'ai dit crayon à papier. Moi crayon. J'ai toujours dit crayon gris, moi. Crayon de mine. Crayon gris. Crayon gris. Crayon gris chez moi, Avignon. Crayon gris, c'est sud-est, ouais. Ouais. Après, j'ai dit ça après. Crayon gris, crayon gris, crayon gris. Crayon gris. Moi j'ai dit crayon gris en Bretagne. Moi j'ai dit crayon gris en Bretagne aussi. Ah bon? Ah merde, bah moi j'ai jamais dit crayon gris. Moi c'est crayon de bois aussi, crayon de bois. C'est bon, Zerator, il m'a répondu, il m'a dit que ça sera pas le soir d'Angèle. Wow. Oh le lien, yes. Oh les streams et privilèges. Mais t'as déjà répondu? Oui, il m'a déjà répondu. Mais tu es dans les petits papiers, hein, tu crois quoi? Non, mais il est en plateau pour un JDR, donc ça me. Oh non, c'est grave. C'est grave. Il est vraiment. Mais genre là, il est. Oh, c'est très grave. C'est vraiment une urgence. C'est vraiment une urgence. Mais pas l'homme, il a senti l'énergie négative du lutin, il est en mode là. Voilà, il vaut mieux que je réponde. Tu savais que j'étais vraiment soucieuse depuis tout à l'heure. Il est parti du plateau, hein, pour répondre. Hop là. Et comment vous dites serpillère, vous? Serpillère. Rayou. Oh non. Oh, c'est petit. Oh non. Qui a dit Rayou? Qui a dit Rayou? Bah c'est lui-même. C'est lui-même, c'est lui-même. On se régale, putain, ah, c'est merde. C'est lui-même. Bah, je rigole, heureusement que tu as jamais participé à une compète dont le jeu c'est de pas se dénigrer, tu vois, parce que ça, tu serais... Mais je rigole, je le fais plus du tout. C'est pour ça que j'ai rigolé. Oh, en vrai, il a step up. J'y crois pas. Non, il a step up. Plus du tout, par contre. Il a step up de ouf. J'ai step up de fou, je le fais plus. Je suis d'accord, franchement, je suis d'accord. Non, je fais plus. Non, il a step up de fou, Rayou, là-dessus. Il est passé à un ratio de moins de 3 dénigrements par insulte. Mais vraiment, je le fais plus du tout, parce que c'était un défaut que j'avais. Mais il a step up de fou, t'as fait quoi? T'as fait un travail mental là-dessus? Bah j'ai fait un travail mental en me disant qu'il fallait arrêter, et j'ai arrêté. Okay, alors des fois j'ai une petite rechute. mais bon. Et du coup personne, juste pour revenir là-dessus, personne dit passer la pièce. Oula, ah, c'est non, la pièce, ah, non. Ah, c'est provençal, on passe la pièce, gros. Moi je passe la bâche. Ah, moi je connais, moi je passe la bac. Moi je passe la bac. Oh la bac. Je passe la bac. Passer la bâche. Ah, c'est la pièce. Moi, je passe la bac. Ouais, la pièce. Mais sinon, la pièce, oui, c'est dans le sud-est aussi, pareil. Et sinon, vous avez aussi la... Alors, je sais pas si on dit Wasing ou Wasing. Dans le nord, il dit ça. Voilà. Wasing. Ouais, Wasing, je sais pas. Oh, Wasing. Oh, y'a quelqu'un qui m'a fumé. Ah, c'est Ponce. Bien joué. Avec la plante. C'est dommage, il a failli prendre la verse sur le côté, là. Oh mais putain. Ah bah je vais faire dernier. Non non. On veut me nuire. Oui, Rayou, let's go. Arrêtez, j'étais première toute la game. Non, j'avoue c'était moi, j'avoue c'était moi. Non, c'est faux, t'es pas dit que j'étais 5. Bah 5. Bien joué, Gide. Triple rouge. La grosse Gide. Okay. Bah tu Rayou en vrai. C'est la voix 5. Rayou. Oh Rayou. Mais non. Rayou passe orange. Oh Rayou qui a plus qu'une vie ici.
Il y a Zerator apparemment qui s'est fait engueuler chez AlphaCast parce qu'il avait son téléphone. Bah Rayou. Non, non, c'est pas vrai, sérieux. Ah, quand quelqu'un me dit dans mon chat, j'ai zappé rapido chez AlphaCast et Zerator se faisait engueuler parce qu'il avait son téléphone. Non, c'est pas vrai. Aïe, voilà ce que tu crées, Ulti. Il y a des frustrations chez d'autres streams. Bravo. Bravo le streamer français qui se met des bâtons. Par SMS ou par... Tu l'as envoyé où? Twitter, je pense. Elle l'a appelé carrément. Merde, j'ai pas le temps. Je vais lui envoyer un MP pour savoir s'il peut faire en sorte de... Il m'a re-répondu, donc je lui dis range ton tel. Non mais tu sors pas ton tel, lui. Je vais dire, si tu peux ne pas le mettre la soirée du spectacle de Chevalier et Las Palès, j'espère qu'il y en a... Chevalier et Las Palès. Il y en a qui m'ont essayé. Ils ont eu des problèmes. La seule vanne que je connais de Las Palès, c'est tout. Juste, Rayou, tu changeras de couleur après. On a peau. Oh oui, oh, ce chevalier Las Palès de Florence. Il y a... Attends, quoi? Vas-y, Florence. Quoi? Mais le train à Pau qui s'arrête pas, vous savez? Si, oui, mais il y a juste quand tu l'as dit. Tu l'as plutôt bien géré, ouais, c'est pour ça. Ah bon? Vas-y, refais Las Palès. Vas-y, refais. Non, mais si. Non, mais t'inquiète, vas-y. Le train à Pau, il s'arrête pas. J'arrive pas à le refaire. Ah non, c'était trop bien. Le train, il va. Excusez-moi, vous êtes Régis Las Palès? J'ai pas raison, la mif. C'est ma gueule, putain. Il m'arrive de faire des imitations, mais alors là c'est bluffant, là c'est plus qu'une imitation, c'est du clonage vocal quoi. Allô. C'est Nia. Par contre, il y a quelqu'un qui m'imite très bien, c'est Usul. Il t'imite oui, très bien. Très bien. Mais Nio le fait très bien aussi. Oui, il imite très très bien. J'aimerais beaucoup voir Étoile et Usul faire des imitations ensemble. Étoile, j'ai vu son sardoche hier en stream. Attends quoi, c'est bon, fais ton sardoche. Fais ton sardoche. Mais bon, fais sardoche. En fait, attends, j'imite sardoche qui trouve une stratégie sur Marocard. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est extrêmement simple, Néodrift. C'est que tu vas au 150cc, tu rentres dedans, tu fais 48.2, et moi j'ai fait 48.2 depuis 3 semaines, et je trouve ça complètement terrible. Voilà. Dans les propos, ok, dans la voix, c'est une catastrophe, genre. Non, c'est... Voix, je suis plus fort que Cantlou. Oui, mais ça, moi aussi, je suis plus fort que... Qui est moins bon que Cantlou ici, dites-moi. Bien joué, France. Alors, dans l'intonation, en termes d'imitation, je le trouve quand même pas si dégueu. C'est une photo. C'est une photo. Pour une voix, c'est cool. C'est vraiment une photo. Non, mais tu dis, elle était mieux, j'étais préparé, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est hier, il y avait la spontanéité. Préparé, il y avait le syndrome quoi. Là c'est un peu comme quand tu demandes à un humoriste de nourrir quoi. Et voilà, c'est ça, il y a la pression. Là, je comprends. Non, mais je comprends. Ouais, c'est la pression quoi. C'est la pression. Du spectacle quoi, c'est le spectacle. C'est le spectacle. C'est sous pression. Oh quoi, presse, quoi. Oh non, j'ai pris la banane. Oh, ça suffit. Oh non, j'ai pris la ultime. Ça, attention. Attention. Moi aussi j'en ai une. C'est quoi? Hein? Vas-y, lâche-la maintenant. Non! C'est Poutine et Biden avec les bombes nucléaires. Moi aussi j'en ai une, t'en fais quoi? Non. Attends, c'est qui? Du coup, c'est qui là? C'est Florence. Florence qui passe rouge! Je casse mes couilles, je me suis fait focus Paris, vas-y! Bah oui, mais j'étais comme toi, j'étais dans la même situation, je suis désolé. Bah écoute, prends sur toi, je sais pas. Bah désolé, je prends sur moi. Mais du coup. En ce moment, on dit, et toi, que je travaille sur toi. Couleur, by the way, Il va le faire. En ce moment, j'ai un petit Cyrus North en vrai, en ce moment aussi. Ah, vas-y. Oh. Vas-y. Je peux tester mon petit Cyrus North, je mets juste mes petites lunettes. Attendez, parce que c'est masterclass, hein. Il faut bien écouter quand... Tu fais du sommeil polyphasique, c'est-à-dire... Vas-y, attendez, écoutez bien ça. Alors, je fais du sommeil polyphasique, mais en réalité, on développe, vous et moi, une relation parasociale. Le parasocial... Ah, mal. Vraiment pas mal. Il y a un petit truc. Le fait de... vous me connaissez, moi je vous connais pas. Et vous avez l'impression de créer une relation asymétrique, on dirait. C'est pas grave, je vous apprécie quand même, comme j'apprécie mes plantes, mais c'est cette relation justement qui est asymétrique. Donc, en vrai, c'est pas mal du tout. En vrai, c'est pas mal, on dirait un peu Samuel Etienne en plus calme, tu vois. Ouais, c'est bien visualisé en vrai, je l'ai bien visualisé. Hein. Ouais, je l'ai visualisé aussi, ouais. Mais on l'a déjà fait. Après, c'est vrai que. Ouais, je suis déjà imaginé. Je pense qu'il demande. Ok, bon, c'était pas si éloquent que ça, alors effectivement. Non, si, c'était. Si, non, si, en vrai, si, il y a un truc. Mais mec, t'es ouf ou quoi? Après, là où t'as step up, ton Jean-Marie Le Pen est troublant, mec. Il est. Oui, mais ça, bon, ouais, c'est. Bah, ça, c'est normal, c'est des opinions politiques, donc. Non, mais beaucoup de personnes. Mais Rive, c'est troublant. C'est pas genre. Oui, évidemment, tout le monde. Il est un peu trop dans la parodie, quand même. Et quand Jean-Marie Le Pen parle pas comme ça, c'est pas? Non, mais putain.
Après, c'est vrai que j'ai mon cache-œil maintenant. C'est vrai que le cache-œil est game changer, tu vois. T'as un cache-œil. Le cache-œil est game changer. Là, j'ai mon petit cache-œil de la guerre d'Algérie, c'est vrai que c'est... Il y a plus le cache-œil, Jean-Marc. Ouais, mais bon, tout le monde s'en souvient quand même. Ça manque, hein. Ça manque de ouf. Ça manque. Ça manque, hein. Ah, c'est... On pense qu'à ça, quoi. Jour et nuit. Bah ouais. Oui, bien sûr, c'est, mon... c'est un peu ma masterpiece pour l'instant, Jean-Marie Le Pen. Oh, oh t'avais un Sky aussi, t'avais un... Le noir, même moi, je l'ai. En vrai, noir, c'est facile en vrai, je trouve. Okay. Noir okay. Non, mais après, parce que je t'ai montré la voix, c'est pour ça. Noah. Ah. Moi, je connais pas très bien. Noah. Il est monstrueux avec son azir sur la mid lane. Enfin, tu vois, c'est faisable. Alors, bah, je connais pas très bien, mais je crois que c'est acheté en vrai. Non, en vrai, pas du tout. Pas du tout. Non, je suis pas d'accord. C'est notre cas joue. Non. Après, j'ai un Ken Kojandi aussi, c'est vrai, moi j'ai un Ken Kojandi. Ah, Ken, Ken, le Ken Kojandi qui a été validé par la street aussi. Un Ken qui m'a envoyé un message en mode ah putain, mec, mais. Ah oui, c'est vrai. Et... Ouais. Ken Kojandi m'a envoyé un message sur Insta. Ah, oui, oui. Il m'a envoyé un message sur Insta en mode mec, on m'a fait écouter. Dans... Attends, où j'arrive à le. Attends, parce que là je passe. Okay, attends, il rentre dans son personnage. Je suis chaud, il y a Nava à ma droite, on passe un bon moment. Il y a Baptiste Caplin pour la quatrième fois qui passe dans l'émission. Je suis. Ok. Salut tout le monde. On est dans un bon moment. Je suis avec Navo. Salut Navo, comment ça va? Ça va, merci. Oui, Navo. Salut Navo. On est dans un bon moment. On est avec Big Flo Oli. Salut Big Flo Oli. Vous allez bien? Ça va. Charmé. Charmé de vous avoir. Charmé de compar pour votre 25e album. Charmé. Ok. Charmé. Ok. Ok. On est avec Ponce. Salut Ponce, comment ça va? Salut, bah ça va. Merci Kian et toi, mec. Bah écoute, on est ravi. On est ravi de t'avoir. Pareil, mec. Navo, une vanne? Une vanne Navo là tout de suite. Eh ben, c'est une pute. Oh, non, je fais pas du tout Navo. C'est là, ça c'est bigard, ça. Ah oui, oh, non, okay. Non, ok. Voilà, Navo, oh. Oh, Navo. Je t'en mets. Auteur, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Pulsion. Ok. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'est assez fort parce que j'adore parler de moi et finalement des choses du quotidien que je peux remarquer chez les gens. Et c'est okay. Hyper profond, en fait. C'est un truc un peu du stand-up comic. Ah, c'est pour ma petite gueule. Très très bon. C'est Antoine ici qui perd sa vie. Oh non, Antoine, la merde. Mais non, c'est moi qui perds la vie, non? Non, mais il y a un petit truc hein, pour Kian, pour le coup. C'est derrière toi, c'est derrière toi. Ah, c'est derrière moi, pardon. Qu'est-ce que t'as d'autre là? Par exemple, Riff, si je te dis imitation, tu penses à quoi là direct? Boum. Ah, mais là, j'ai tout donné là. J'ai plus rien. Ok. J'ai tout donné, j'ai mon Kian Kojandi. Ah ouais, putain, ah bah non, mon vélo. Ah bah mon vélo. Bah c'est sûr, j'en ai beaucoup bien marché maintenant. Bon, Ville, merci. Non, le reste, ce serait qu'en working progress, quoi, tu vois, mais c'est... Non, mais par exemple, Sky, ah, c'est j'ai un Alexandre Boyon, bien sûr, commentateur sur France Télévisions, évidemment. J'ai pas la reste. Alexandre Boyon, ce biathlon, bien sûr. Avec des skis. C'est le Mozart de son sport. C'est le Mozart de son sport. Qu'est-ce qu'il est fort, Alexandre. Florence, elle a un Todd, par contre, très très puissant. Ouais. J'ai mon Todd, moi. Le Todd de Florence. Ah ouais, fais Todd. Je sais pas quoi dire en tant que... Fais Todd. Salut à tous, mes amis. Putain, mais j'avoue, en vrai. Moi, j'avoue que j'ai un Didier Deschamps, j'avoue, en vrai. J'ai un vrai Didier. Mais là, pour l'ensemble de la composition, c'est clair qu'on a beaucoup hésité, mais bon, au final, on va se... Hein? Est-ce qu'il y a... Pourquoi vous rigolez? Non. Donc, non, mais en gros, ce que... Non, mais écoutez-moi... On va accrocher ton imitation de Didier Deschamps sur le frigo, ok? Non, mais... Alors, c'est pas une imitation, moi, c'est vraiment Didier. On a fait juste une composition qui me semble assez homogène maintenant. Donc, bon, faut voir aussi l'ensemble du collectif est prêt pour partir sur cette compo. Je sais pas s'il imite Didier Deschamps ou s'il imite genre... une daronne du sud-est. Non, c'est Didier, non, c'est Didier. Une daronne du sud-est. Non, c'est Didier. C'est Didier, t'es chiant. Je connais pas Didier Deschamps, je t'avoue. Didier des prairies, quoi, putain. Didier des prairies. Didier des prairies. Non, mais arrêtez. Okay. Non, mais j'ai un manuel Ferrara, mais... Et non. Sérieux, ah oui, vas-y. Il est dur à placer, déjà. C'est Fawark ou Nat Fawark? Ouais. Dans quelles conditions, ton manuel Ferrara? En fait, il faut que je vous le mette dans le contexte, mais c'était... Pour ceux qui étaient là, je t'ai raconté plein de fois d'anecdotes, mais c'est le soir du KCX, où il y avait Alpha One qui était présent dans le bar. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et oui, j'osais pas vraiment parler à Alpha One.
Et Manuel Ferrari m'a dit, mais quoi, mais mec, comment tu peux... Enfin, je comprends pas comment tu peux avoir honte de ce que t'es alors que moi j'adore ce que tu fais dans les streams. C'est vrai, ça. Depuis des mois. Et il a vraiment fait ça. Il était en mode, bah salut Alpha, et toi, putain, ce mec, il fait vraiment des trucs de fou sur Internet. Et vu que c'est un boss dans ce qu'il fait, je pense que tu devrais lui parler, prendre un peu de photos. Ouais, c'est incroyable. Méga complimenté en faisant genre, c'est Manuel Ferrari qui dit ça en fait. Il s'envoie juste des fleurs au calme. Ouais, il vient de recevoir un démon de Manuel Ferrari qui me dit. Un boss. Non mais c'est Manu, je pensais qu'on était au début. On va recevoir un message de Manu Ferrara qui vient de me dire jamais dit ça, connais pas étoile. Mais non, tu fais l'américain. Non mais c'est bon, je vous déteste, j'ai plus envie de parler. Non, moi je le trouvais bien en vrai. Je le trouve dur avec nos imitations en vrai. Enfin, c'est pas notre métier contrairement à Rive, hein. Enfin, je sais pas. Bah, Rive, c'est son gagne-pain, nous, pas trop, tu vois. Genre, on fait ce qu'on peut. Moi, j'ai un peu chaud, t'es à des feux de la rampe tous les mardis à 20h. Bah, ouais, les feux de la rampe, quoi. Le point virgule. Oh non, arrêtez, c'était ma game là. J'étais vraiment premier toute la game, mais c'est pas une vanne en vrai. Je suis deuxième et je m'envie comme une merde. Je suis loin et je finis 16ème, putain. Allez. Bah, non, c'est moi qui suis. Je serai pas dernier, L'américain, le streamer le plus proche des États-Unis. Ok, vraiment c'est bon là. Le plus proche des États-Unis, putain. Quel slogan de merde. Oh, JD. Oh, JD. Oh, oui. Oh, JD. Un gros JD. JD. Il faut que je me mette en orange. Oui. Et en fait, je ferai mon one-man show, le nom ce sera complètement à l'ouest. Tu vois, par rapport. Bien joué. Ferme ta gueule. Quoi, voilà, c'est vraiment... des feux de la rampe, elle est complètement à l'ouest, ici, avec du vent. À l'ouest. Allo, si vous cherchez, je suis là. Pour rendre hommage à mon imitation, je vote Circuit Toad. Ouais. Vas-y, fais-le, fais Toad. Non, mais mon Toad, il est bizarre. J'aime beaucoup le Toad de Toad. Il est incroyable, ton Toad. Ouais. Il est asthmatique. Mais quoi? Mais c'est pas Toad. C'est pas Toad du coup, c'est pas les mots. Ah, j'ai le clip de Zera qui regarde son téléphone. Et le chat qui le crame. Il est exceptionnel, mon Toad, non? Il est très bien, mon Toad. Il est très bien. Incroyable. Ah 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 ah. Merci. Incroyable. Je crois que je suis trop tard. Oh. C'est littéralement Toad. Hein. Let's go. Dans les deux verres, c'est Poncey Ultia, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah, ok, ok. Ultia qui est en putain de Smurfing. À la train. À la train pour cette soirée. Mais... Je traîne pour un FFS qui aura lieu le soir du concert d'Angèle, mais après. Mais non, il a dit que non. Mais non, il a dit que non. Mais je rigole, c'est la vanne. En répondant pendant une émission. En vrai, peut-être envoyer un MP pour lui demander, peut-être. Histoire d'être vraiment sûr. On dirait que t'as tout oublié. C'est compris. Ah, pas mal. Bah non, t'as raté. Bah non, mais c'est. Oh non, Ultia qui est passé à côté. Il faudrait tout oublier. Bah oui. Non, ah oui, Ah oui, c'est vrai. Fausse fan. Oh la fausse fan. En fait, elle aime pas vraiment Angèle. Oh la fausse fan. T'as raté, t'as raté. Oh, dégueulasse, la fausse fan. La fausse fan. Excusez-moi. Oh, le fausse fan. Le coup de la fausse fan. Boum. Tout. Il faudrait tout oublier. Mais voilà. Ah, t'as peut-être une Angèle, tu vois. Oui, la grosse moula. La grosse moula. Oh non, regarde. Oh, mais j'en ai ras le bol de vivre. Non, tu peux pas dire ça, bro. En vrai, c'est faux. C'est faux de ouf. En vrai, c'est pas vrai. C'est une dépréciation de ma part d'étoile, bien sûr. Il a arrêté. Non, mais attends. Avant, c'était une game sur deux. Là, c'est une game sur 20. Et ça va. Oui, bah oui. Merci, mais pense. Heureusement que tu reconnais mes efforts. Mais je reconnais de ouf. Et ouais, c'est vrai. Elle est par coup des prestations aussi, un petit peu du côté du chat, j'entends. Oh, alors, Oh oui, let's go. Ah, c'est Rive. J'ai cru qu'elle avait baissé pour très fort. Non, c'est moi. Rive est mort, Rive est décédé. Non, je suis pas mort, je suis encore en vie. Rive le rouge. Rakam le rouge. Et Rive est dead. Rive is dead. Je suis dead. One dead. C'est Qu'est-ce que c'est bien Apex, Ponce? T'as vu comment c'est trop ouais, comme jeu? Ouais, le jeu est vraiment bien. J'y joue aussi, hein. Le jeu. Non, mais Ponce, il est addict. Je joue de ouf. T'inquiète. Ouais, là, j'ai pas joué depuis 3 jours, mais j'avoue que le jeu est vraiment incroyable. Je le surkiffe. Je pense que c'est un des meilleurs BR auxquels j'ai joué, mais juste, il faut trop de connaissances, en fait. Est-ce que tu sais, mec, combien j'ai d'heures de jeu ou pas? En vrai, t'as commencé là, il y a quoi? Il y a 10 jours? Il y a une semaine à peu près, genre 8 jours.
Je dirais qu'en 8 jours, tu lui as mis 30 heures dans la gueule. Oh, on a beaucoup plus. Tu dois en avoir 180. Moi, j'ai 180. Non, j'ai, 75 heures sur Apex. Quoi ? En 8 jours, t'as mis 75 heures dans le jeu ? Et mec, j'ai 30 heures sur Riders Republic, j'ai mis 10 heures sur Fall Guys, et je stream les nuits de la culte et joue à d'autres jeux. Ah putain, j'ai mis deux fois la même map, je crois. On vient de la faire, je suis au fond. On vient de la faire. Hein. C'est la pire map du DLC et on l'a fait deux fois d'affilée. C'est la meilleure du DLC, c'est cool. Hein. C'est la pire, putain, ensuite. C'est vrai qu'ils ont oublié de mettre l'herbe en fait sur le côté là, c'est tout vert, genre il y en a plein de couleurs quoi. Oui, ouais, c'est juste une texture. Mais genre, tu prends des douches ou pas du tout en vrai? Bah ouais, je me douche mais je vois personne quoi, j'ai pas d'amis. C'est merde, tu te douches. Ouais, c'est pas vrai, dis pas ça. Régale, c'est faux ce que tu veux dire. Non, non, mais dans le sens où moi je me régale à m'enfermer dans les jeux vidéo comme ça, c'est ma période du mois, c'est mon progrès. C'est mon progrès. Bah ouais, c'est mon progrès pour moi. Parce que même si je joue pas la LAN pour sortir des poules. Mais je me régale. Mais gros, tu fais pas la LAN parce que vous avez des poules. Oh, ah non, arrête ton char, hein, franchement. Bah, non, mais je arrête ton char là. C'est pas André Rieu, ton père, étoile. Bah, je suis pas un violoniste. Je joue avec deux personnes qui jouent pas les jeux de la LAN et c'est fait exprès. Je leur avais vraiment dit que Osef s'il traîne pas les jeux, tu vois. Ouais, mais ils sont quand même forts, tu vois. Bibi, il est gifted de ouf. Mec, passer les poules, c'est top 8 sur 70 équipes. C'est hyper dur, mec. Ouais, ah oui, par contre, c'est très dur. Ah oui, ça c'est clair. C'est vraiment hyper dur. Par contre, tu voulais quand même passer la première phase de poule. Ah, la première phase, elle reste chaude, mais j'espère qu'on la passera. Vous la passez 100%. Vous la passez 100%. Ouais, mais c'est 6 sur 19, mec. Hein. C'est 6 sur 19. Mais mec, vous la passez 100% 6 sur 19. Oui, mais il y a Motus, il y a des trucs où on peut vraiment se faire surprendre. Genre, c'est pas free, tu vois. C'est grave faisable, mais c'est pas free. Ah, je suis d'accord, c'est pas free. Hein. Et en vrai, les gens qui rigolent de Bibi Gifted, vous êtes dans le déni total. Hein. Bibi, c'est un crack absolu. Genre, vraiment, je déconne zéro. Putain de merde. J'ai vu, je vois après tout le jour, je suis en mode. Quand même, il est chaud. Ah oui, non, Bibi, c'est beaucoup chaud. Yes, c'est bon. Ponce. Bien joué. En fait, Bibi, tu fais une merde à la toute fin, Ponce ou pas? De quoi? Est-ce que tu t'es pris une verte à la toute fin? Non mais oui, c'est clairement à cause de toi, oui, bien sûr. Ok, ok. Je vise les verts, moi je vise les verts. Allez, hop là les verts. Tiens, moi, t'es bon là. Je suis bon là. Qui c'est les plus forts? Ça passe au rangement. Arrête de jouer à la Rayou. Arrête de voter cette map, je t'en supplie. Non, tu peux y aller, tu peux y aller. T'en supplie, Rayou. Tu veux que j'arrête? Bah j'arrête. Désolé. S'il te plaît. Je t'ai mis une descente givrée tout à l'heure, c'est comme ça que tu joues. Je suis désolé, mais tu me l'as jamais dit, tu l'as détesté. Détester. La descente givrée, non, j'adore la descente givrée. Non, mais tu m'as jamais dit que Dojo Ninja t'en pouvais plus. Ah non, on l'a beaucoup joué, je la trouve dure. Ouais, on l'a beaucoup joué. Elle est dure. Je suis d'accord. Elle est dure. And this is my fault. Et alors, regarde ce qu'a pris Revenzy, étoile. Ah. Mais mec, arrête, c'est bon, on n'est pas tombé dessus, c'est bon, calme-toi. Il en fait beaucoup. Je crois qu'il. Ouais, tu vois bien, mec. Non, c'est pour me chauffer. Il en fait toujours trop quand même. Ah, c'est drogli bah, quoi. Désolé. Bah, c'est drogli, je. Putain, son imitation de Sardoche, elle est toujours on point. Fort, il est fort. Tout à fait d'accord. Fort. Non, mais je vous jure, franchement, mon imitation était exceptionnelle hier. Faut que moi, j'en trouve pas mal, ça va. Non, mais là, aujourd'hui, c'était de la merde. Mais hier... Non, arrête, mec. Non, mais aujourd'hui, je vous jure, enfin, hier, c'était un travail de ouf. Ah, je suis d'accord. Après, c'est pas ton travail, mec. Hein. T'imagines, tu mets 75 heures en 8 jours à Apex, tu peux pas non plus traîner tout le temps la limitation de force. C'est vrai. Non, mais moi, je suis tombé trop amoureux du jeu. Et surtout, vu que tu peux grind les ranks, le fait de pouvoir grind le rank, mec, c'est kiffant. Toi, t'es platine là, ça y est. Moi, je suis platine. C'est n'importe quoi. Genre. Mais après, tu l'as mis 75 heures, putain, j'en reviens pas. Après, j'ai commencé les ranked hyper tard. Parce que je faisais que des games non classés. Et après, j'ai pu réussir et j'ai spam aussi avec des gens forts. Hein. C'est ça qui te fait monter. Hein. Oui, c'est sûr, oui, mais quand même, je t'ai vu un peu jouer. T'as joué avec d'autres. Non, t'as joué avec Lutti, Bibi. Avec Gorga. Je joue avec Gota aussi. Gola. Gorga. Gota pas trop fort au jeu en vrai. Ah, Gota il est chaud, putain. Oh, Gota, ouais. Gota il est vraiment chaud. Je pense que celui qui m'a le plus impressionné, c'est quand même Mika. Ah oui, Mika, mais qu'est-ce qu'il est fort en FPS, Mika. Mika, il est vraiment, c'est abusé. Mais pour le coup, c'est le joueur gifted. Genre, vraiment, il est fort à tous les jeux vidéo. Surtout son game sense, en vrai, qui m'a plus choqué que son aim. Genre, il a vraiment une bonne aim. Ouais, il est trop intelligent, en vrai, quand il joue. Ouais. Il a vraiment une capacité de comprendre les fights et tout, c'est abusé. Après, bon, il était près d'un, hein. Ça vient pas de nulle part. Hein. Allez.
il connaît très bien le jeu quoi, donc ça aide forcément à ouais. Le game sense. Mais... Je peux pas faire ça. Ah, tu vois, genre Mika il était. Enfin, je sais pas, c'est vraiment genre. Mais putain, mais plus je la joue cette map, plus je la trouve géniale. Elle est trop bien, ouais, moi j'adore les lines. Hein, elle est sympa. Ouais. Elle est sympa, effectivement. Je te le confirme. La rouge qui t'a fait éviter la bleue. Cadeau. Quoi oh, je... Quoi Ok. Oh non, l'accélération qui m'a baisé. Oh non. Oh non, non, non. Oulala. Par contre, les amis, je vous jure, j'ai l'impression qu'ils ont patch les items. Et je mens pas. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont patch les items. C'est horrible. Et tu finis pour moi. C'est-à-dire. Oh là là. En fait, les items que j'ai en 1 sont largement mieux que les items que j'ai l'habitude d'avoir en 1. Ah, mais moi j'avais la sensation aussi, mais on m'a dit que non. Non. Allez. Ah non, c'est Antoine. Ah oh non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Moi j'ai c'est vraiment bizarre. Il qui reste en vert encore, hein, punaise. Bah si, Antoine, je suis encore en vert, ouais, on est d'accord. Moi aussi, j'ai l'impression on d'avoir beaucoup. Que j'ai gagné le jeu du Yoshi Didi Evans. C'est vrai, pour ne rien donner, exact, c'est vrai. Il y avait de l'enjeu au niveau de la thune, forcément. À tout donner. Si j'ai donné, il fallait donner quand même. Mais oui. Triple banane. Moi j'ai jamais eu triple banane en 1 quand même. Mais genre en 1 j'ai beaucoup plus de défense qu'avant et moins de pièces. Ah ouais, clairement. Et en 1 moi j'ai eu beaucoup plus de. Enfin j'ai eu des triple bananes en 1, ça m'était jamais arrivé. On dit oui, ils ont modifié le taux de drop apparemment. Tout donné. En tout cas, c'est sûr qu'ils l'ont modifié sur les grands prix solo quoi. Ah oui, en solo oui, en solo oui. Mais en online je crois pas normalement. Vous faites une première place, vous redevenez orange ou c'est rouge définitif ah non, c'est rouge définitif. Mais non, c'est rouge définitif. Mais est-ce qu'on peut imaginer une question game... Ah bah, Circuit Mario, let's go. Ça va, Antoine? Trop chiant en vrai, trop chiant de voter ça. Par contre, c'est vrai qu'en parlant de Apex, on a joué avec Orax, nous, donc ancien joueur pro, etc. Putain, c'était trop intéressant. Genre vraiment, d'avoir toutes les explications d'un joueur pro, c'était... Ah, Orax, il est trop chiant. Ouais, ouais, il est trop fort. Et il explique bien il... Ah, ok. Ah oui, ben il est en fait il était ancien joueur pro, maintenant il est créateur de contenu sur Apex et du coup bah ben, il a tout ce côté où il nous a donné tellement de conseils sur ben, comprendre les rotations, où aller, à quel moment de la game. Ok. Enfin c'était très chouette quoi. De toute façon ça arrive. Je joue là, je vais faire de la merde là. Attends, tiens. Hop là. Et tout le monde nous a dit qu'on avait Horizon dans le truc, moi je suis. Pardon. Ouais. Je vais faire pareil, je vais focus Antoine pour rien. Bah ça sert à rien. Bah ouais, mais tu me focus aussi. Bah, toi, t'as à perdre, toi. Toi, t'as à perdre, moi, je suis rouge. Le vieux coup. Mais non, mais tu m'embêtes. Moi, je suis rouge. Tu vois, mec, j'ai encore une banane en 1. Genre, vraiment, c'est... Bah quoi, banane en 1, c'est pas si rare. Ouais, mais il avait déjà banane, en gros. En fait, j'avais déjà banane. Je te jure, mec, le nombre de fois que... Ou t'as une pièce, normalement. Ouais, que j'ai une pièce. Ok. Non mais quoi, Ultia? Pourquoi tu triches? Tu triches, Ultia? Pourquoi je triche? C'est pas Orax, le joueur avec LD, c'est pas lui. C'est un autre Orax. C'est quoi ton probe? Mon probe, c'est que j'aime pas les cheaters, en fait. Je suis désolé. Pourquoi tu dis que je suis... Parce qu'à un moment, clairement, t'étais derrière, et après t'étais devant, je trouve ça louche. Bah j'ai pris le cut, en fait, tu connais Mario Kart? Calmez-vous! Calmez-vous! T'as une action replay pour rouler à vitesse normale dans l'herbe ou quoi? Calmez-vous, calmez-vous! Oh, à chaque fois, vous comprenez pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de points sur la Switch ces derniers temps, c'est compliqué. C'est bizarre. Calmez-vous, calmez-vous! Il y a beaucoup d'ego en fait, donc on est obligé de faire un peu. C'est compliqué. Ouais, ouais. JD Ultia, c'est un peu. Pas besoin de râler? Qu'est-ce qu'il y a? C'est premier. Ah oui, mais merci Ultia! C'est la faute de JT. C'est la faute du JT là. À 20h, JT là. JPP. Oh non, JPPF. Le grand JDay. Le grand JDay. Y'a qui est pas en rouge là? Personne. Ah, en rouge, y'a Ponce, moi, Ultia et Rift. T'es rouge toi? Et moi, je suis rouge. Étoile. Et étoile, ouais. Étoile. En tout cas, sachez que sur France 2 ce soir, il y avait la danse folklorique préférée des Français. Et sachez que la Bretagne s'est qualifiée en finale, bien sûr. Oh, non mais d'accord. Il y a vous qui votiez. Il y a vous qui votiez en fait. Oh la danse. Il y a que les Bretons qui votent. Parce que tout le monde en a rien à foutre. Parce qu'il y a que vous, qui êtes touché par ce genre de sujet et qui serait prêt à payer un SMS surtaxé pour voter pour votre propre danse. Oh les facts.
Oh les facts. Oh les facts. Oh c'est Cyril. Ah, j'avoue que j'ai voté donc je peux pas. Il a envoyé un faux mot. Non, j'ai voté pour de vrai, ouais. Donc les sommes sont vastes globalement, c'est ça? Et vous, vous avez pas voté pour votre région à la danse folklorique préférée des Français? Ma région, c'est l'Île-de-France! Ma région, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, c'est même pas une région! Bah, des autres, c'est d'être. C'est les gens de la région, le vote, non? Ah ouais? Bah, juste trop, de même Rhône-Alpes en vrai. Pourquoi est-ce que vous êtes des Bretons? Parce qu'en fait, vous avez la danse folklorique de Rhône-Alpes. Parce que vous saoulez en fait, même pour le live cuisine, ils saoulaient. C'est vrai qu'ils étaient chiants pour les crêpes et les galettes. On avait la recette de la grand-mère Bigouden de. Hop. Et non, ça n'allait toujours pas en fait. Bah non, mais écoute les gens, parce qu'il y en a qui mettaient de la bière, d'autres qui mettaient de la. Je sais pas, mais qu'est-ce que vous voulez arrêter? Du rhum, je sais pas quoi. Du saumon, du Nutella. Oh, à chaque fois. Il me remet cette image en tête. Mais pourquoi enfin, je suis dit ça, mec, vraiment, c'est bravo. Hein. Le monde te remerciera pour, pour tes travaux, mec, un jour. Parce que c'est pas ce que je commanderais dans une crêperie, mais mec, mais c'était pas dégueulasse, quoi. Quand même, ah, mais dans pourquoi, surprenant, quoi. Pourquoi pas. Pourtant, quand j'avais vu ça à la Zilan, quand ils avaient fait les crêpes à la Zilan. Oh, oh là là. Ah ouais, je t'ai des crêpes à la Zilan. Je pétais un peu. Au Game Pass. Ah, c'était au Game Pass, pardon. Oui, Game Pass. Je pétais un plomb. Genre, vraiment, je voyais des trucs, genre, ils mettaient. Ils ont pété un plomb, ouais. Bah, cette année, tu risques de les retrouver. Moi, c'est l'une de mes équipes favorites pour la Zilan cette année. C'est qui cette équipe? En demi, voire en finale. C'est qui? C'est Fresfire, Heliodar et Keolis. Ah, oui, ils sont trop forts. Ah, oui, oui. Et, ils sont exceptionnellement forts, les trois. L'an dernier, Keolis était avec Oslo. Keolis, ça me dit un truc, c'est pas un distributeur énergétique? Non. En fait, Keolis, c'est un joueur pro Fortnite qui a stoppé Fortnite. Et qui est déjà très fort. Et là, Fresfire est. Ah non, c'est un truc fort. De bus. Excusez-moi. En vrai, c'est une trop bonne équipe. J'espère qu'ils vont faire mal. Un truc de bus et un joueur pro Fortnite. Du coup, c'est un joueur pro qui conduit des bus. Enfin bref, l'enfer. C'est super fort à comprendre, mais. Et qui est ultra polyvalent. Il est très fort. Ouais. Il est méga polyvalent, ouais. Bah, ce qu'on dit, de toute façon, quand si t'as été fort sur un jeu vidéo en général, c'est que tu peux être fort sur. Enfin. Oui. Tu clairement. T'as un temps d'avance aussi sur la. Cette anecdote est vraie. Yes. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Merci pour la bombe. Comment ça se fait qu'on ait eu des items aussi insane en étant 2-3 alors que t'étais pas si loin? Une avance. Ah ouais? JD, ouais. Ok, ok. On va arriver. JD, c'est toujours là? Oui, oui. JD, c'est moi qui ai condamné ces chances. Plus rien, Florence. Merci, Rémi, ça fait plaisir. Je me fais enculer par le jeu, mais vraiment. Oh, Florence! Florence! Je mettrai 1€ dans la boîte à gros mots, c'est pas grave. Oh, mais je suis juste factuel là, c'est bon. Flo, flou. Est-ce que c'est aussi factuel que les Bretons? La poubelle, les garçons, à la poubelle. Flo. Excusez-moi les gars, c'est un cri pour qu'elle soit d'aplomb à nouveau, quoi. Bien sûr. Flo, la plus belle, les garçons en sac. À la poubelle. En sac à poubelle. Putain, horrible, t'as tout raté. Vrai qu'il y a un peu approximatif. Oh, Jean-Michel à peu près. Ouais, moi j'aurais été rappeur dans une autre vie, ça aurait été une scène. Quel taf. Ah, ouais. Cool. Ah, le supermarché. Figure-toi. Allez, moi j'ai eu un bilan 4, hein, je tiens à le dire, bien sûr. De quoi, Étoile, t'as dit quoi? Et après, ça figure-toi que je l'a. Oh. Oui. Tu veux me quitter? Je chante très très le bien. Le supermarché. Coco. C'est vrai. Putain, mais dis-toi cette map. Je suis chaud là. Hop là. Et c'est la musique d'Antoine Daniel ou quoi? Tout à fait. Trop bizarre. C'était la musique de mes FAQ, tout à fait. Donc, c'était la musique du YouTube. Ah ouais? À l'époque, tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait, tout en à vrai, fait. Pas les deux trucs les plus décevants dans cette map, je trouve, c'est un, les voitures qui bougent pas à la fin, ça c'est scandaleux. Et deux, c'est les, vous voyez les espèces de virages, les virages à 90 degrés qu'on puisse pas aller sur les murs et qu'il y ait pas un peu d'antigravité ou oui, un truc du genre. Oui, on peut pas monter, c'est c'est trop dommage. J'avoue. Il aurait fallu qu'il y ait des boosts, il y aurait des boosts sur les parties verticales des murs, ça aurait été logique, quoi.
En fait, ils ont fait aucun effort, quoi. Genre, ouais, vraiment, il n'y a pas d'effort, ouais. Il n'y a juste pas d'effort fait. Ouais, genre là, là. C'est, ça m'a trop déçu parce que c'est vraiment l'une de mes préférées. Aucun effort, ouais. Allez. De quoi il raconte, lui? Mais le fait que quand tu rentres dans les voitures et que ça te retourne pas, c'est vraiment du nivellement par le bas, quoi. Nivellement par le bas. Ça te fait quoi quand tu prends les voitures? Ah, ça te fait rien. Genre, alors qu'avant, ça te retournait. Ah. Quand tu prends les voitures, tu te retournes pas maintenant. Ah, ok. Donnez-moi un éclair, putain. Je sens une bague exprès, là. Ah, il veut nous détruire. Je sens une bague exprès. Allez! Qui? Ah, mais oui, bois vermé, c'est mon rêve. Hein. Oh putain. Ah, Ultia, je crois qu'il y a que toi que je peux focus. Je suis seul. Ah, je suis derrière. Et bah, ouais, bon, tu t'es focus. Catastrophe. Arrête! J'ai même pas. Non, putain, non, c'est, tu t'es décalé, oh, j'ai rien. Let's go, je crois que Crayou, on est sauvé sur cette game. Elle est allée se poser. Elle est allée se poser sur ma carapace verte et a dit que c'est moi qui la snipe. Let's go! Non, la rouge! C'est trop. Ultia, putain, tu passes au rouge! Correctement. Putain! Trop fusé! Mais en vrai! Je me suis dit, j'essaye de. J'essaye de pas l'attaquer! J'essaye de pas l'attaquer! C'est vrai, par contre. Ultia rouge! Je vais reprendre la clope. C'est vrai qu'il m'a dit. Enfin, Florence, enfin! Je te dis que c'était pas mérité! Mais en vrai, je pense de toute façon, malheureusement. J'ai eu 5 jours de suite, 5 rouges de suite de la part de Ponce en fait. Ah voilà. Cette FAQ, on annonce la chaîne Mezzanine où il disait que ce serait un fourre-tout sans prise de tête et finalement il a quasi rien posté dessus. C'est réel. C'est absolument réel. Ça, il oh, Rifati oui, mais les vidéos que t'as postées dessus, oui. Quelle pépite. Le vote de Rifati. La finale. Alors peut-être. Pompon Rayou ici. Sur pleine de notre 3. Oh putain, oui, bah c'est GG Rayou, bravo. Putain, encore cette map de mort. Bravo. Du coup, on l'a joué pour la première fois, on a pas joué de la soirée. Ouais, c'était bien. Non, on l'a pas joué une fois. Ah non. Mais il y a pas que les chatons bien. Mais bravo à Rayou, on a rien pu faire, bravo. Ah, Rayou qui gagne. Attends. Attends, parce qu'on va être 6 contre Rayou, donc 6 contre Rayou. Si je me fais focus, c'est FF mon sang. Ouais, bah on va faire ça, ok. Allez, let's go. Il faut que je focus Ponce. Let's go. Let's go mec, l'ambiance est totale. L'ambiance totale. Crayou qui directement prend son... Oh non, mais moi je me... Pendant que Crayou réussit son isque, moi je me fais défoncer. Oh. C'est un scandale. Oh oui. Ouais, je l'avais dit. Hein. J'ai déjà tellement d'avance. Mais oui. J'attends que Ponce passe devant. Ah oui, d'accord. Non, t'inquiète mec. Ok, bro. T'inquiète mec. Au pire, si vous avez des éclairs... Bah, je suis devant toi. Là, maintenant, tout de suite, j'ai pas, mais si j'ai, je te dis, bro. Merci, les bros. Ah, et toi, là, une petite avance, effectivement. Bah, oui, vas-y, rêve. Il y a une avance, je peux. Attends, vas-y, je la vie de rêve. Je vais essayer de. Je vais attendre que l'étoile me dépasse sur la course. Oh non. Oh, mais oui, mais me mettez pas des rouges. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sinon? Ah non, mais my bad, c'était pas possible. Mais bah, ni des vertes, en fait, ni des vertes. C'est pas possible. Oh non, pas... j'ai eu une erreur de communication. Mais t'as campé mes items. Oh mais oui, putain. Bah oui, forcément, c'est trop loin. Actuellement en larmes, putain. Étoile, il est en train de smurfer mais la dernière game. Mais oui, c'est ça, Yoshi. C'est sa map. Pourquoi on n'a pas fait horloge? Dites-moi, expliquez-moi. Oh, je suis désolé, je sais pas. C'est les aléas, c'est pour ça, ouais. Mais t'es un putain d'éclair. Bah oui, je l'aurais voulu, mais bon, Just crying. Bravo Rayou! Trop fort, imbattable, imprenable ici! Bien de victoire là! Oh là là! Rayou qui vient de gagner le jeu du Yosh! Le jeu du Yosh est remporté par Masterclass! Putain, je me suis fait déco! Ah non, mais c'est pas. Je vais pas rester sur ta zone, mais c'est déco! De quoi? C'est la première fois! Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas trop tarder à vous laisser! Quoi? Encore? Comment ça encore? Quoi? Attends, du coup, faut recréer une room ou pas pour qu'Antoine y rejoigne? Tu veux pas nous laisser?
Mais il est pas minuit. Pas tout de suite, mais je vais pas tarder. Oui, mais je vais pas envie de me coucher trop tard. C'est les... Oh, oh voilà. Qu'est-ce que je disais? T'es pas One Life. Prends exemple sur Rayou là. Moi je vais coucher à la suite. Bah non, mais je suis One Life, mais ouais, mais bon, je suis. C'est que je pense que le play, c'est que je vais streamer jusqu'à 10h du mat. Non. Comme ça, je serai fatigué. Non, mais attends, écoute, le play est insane. Vas-y. Genre, je me couche jusqu'à 10h du mat, comme ça, je suis fatigué. Non, tu streams jusqu'à 10h du mat. Non, mais je stream, ouais, jusqu'à 10h du mat. Après, à 10h, je me fais une petite sieste. Je me lève à 13h. À 13h, je suis motivé par mon envie d'aller à la boulangerie. Non, mais tu vas jamais réussir à dormir que 3h. 20h, nuit de la culte. Non, mais c'est game. Je vais réussir. Je pense que c'est game. Ah, mais on est encore en team Yoshi là ? Bah non. Ah, ouais, on a pas changé en team Yoshi. Je m'ai quitté, désolé. Bon, non, on va juste changer nos tenues. A chaque fois que Rayou il fait des plans, c'est les pires plans. Genre, y'a pas pire. Ah, vraiment, c'est vrai. Non, c'est énorme, je vais le faire. On sera jamais là aux amis, bro. C'est un désastre. Tu sais que si t'es pas là, Rayou, je te défonce. Non, mais tu sais que c'est impossible que je sois pas là, par contre. Je suis quelqu'un de cadavérique, mais, mal organisé, mais j'ai une parole. Mais mec, c'est un désastre. Beau, ce que tu dis, c'est un désastre ton projet là. Mais tu peux pas comprendre. Mais c'est désastreux, mec. Genre, j'ai jamais entendu une idée aussi à chier. Mec, je vais manger. Mais tu t'es levé à quelle heure là, raton laveur? 18h45. Oh là là, la vie. Après, à 18h45. Non, mais 18h45, ça va, mec, hein. Ah, ça va de ouf. En vrai, je suis assez d'accord. Franchement, ça va. Franchement, ça... 18... Tu vois, si tu m'avais dit genre 19, j'aurais pété un plan. Ouais. 18h45, ils auraient. Ouais. Après, je me fais juger sur le fait que je vais au lit à 23h par des mecs qui disaient 18h45. Des mecs, un mec, oh. Ah, ouais, moi, je suis un peu comme ça aussi. Hey, regarde Rivenzy. Moi, je suis avec là. Moi, je suis à quelle heure aujourd'hui, JD? Non, aujourd'hui, 15h. J'ai une question, Rayou. Ouais. Pour répondre à tes mails professionnels, faire tes factures, etc. T'es vachement décalé avec les gens qui travaillent la journée. Bah juste je leur envoie des messages à 7h du mat et ils pensent que je me suis levé tôt et c'est que je me suis pas couché. Et puis surtout y'a rien d'urgent, enfin c'est pas... Y'a rien d'urgent, si tous les jours de ta vie tu te dis qu'il y a rien d'urgent, oui c'est possible. Non mais je veux dire... De toute façon les mails ils répondent jamais le jour même de toute façon. Bah oui c'est le principe d'un mail, le mail ça veut dire tu réponds quand tu veux quoi, quand tu peux. C'est quoi votre trésorerie à l'heure actuelle les gens là? Moi c'est 800k là. C'est du réseau là. 800k, ouais, j'ai un peu perdu avec le Covid, ouais. Mais ça va. Je suis très sûr. Arrêtez de dire que je lis plus mes mails, c'est faux. C'était vrai avant, maintenant c'est plus vrai. Juste des fois. Tu lis, mais tu réponds pas, quoi. Non, mais des fois, j'oublie des trucs, mais on vit avec. Et en vrai, c'est largement mieux qu'avant. Non, mais le petit Rayou qui grandit petit à petit, hein. Tu fais un petit truc, hein, c'est super, hein. C'est bien Rayou qui s'éveille petit à petit. Je me mets, quoi. Et là je vais dodge cette bleue parce que je suis une légende. C'est raté. J'ai raté. Tu n'es pas une légende, Rayou. Hop là. Alors. T'es pas une légende, Rayou. Tu n'es pas une légende. C'est une merde, Rayou. Non, j'abuse. Mais... Non, du coup, on fait personne, on en refait une autre. Et pourquoi faire? De quoi? On peut rester dans cette room, on peut juste changer nos persos, non? Vous voulez recommencer? Ah, c'est que je voulais réchauffer un truc et du coup ça va être trop court pour le... Oh, ça va. Vas-y, Yoshi, on peut faire un kick-tose alors, Rayou. Crac, Rayou, est-ce que vous pouvez... Ça déco, je crois t'es revenu. C'est pour ça. Pause de 3000. Pause de 3000 là. Ok, 3000, ok. Pause de 3000, je vais peut-être faire un petit pipi alors. Si j'ai guess. Encore. Après je vais aller me jeter les amis. Je lance un petit jeu guess 20 secondes, moi. Quoi? Tu vas aller dormir? Bah oui, je suis claqué. Mais t'as quoi demain matin? Mais en fait pas là maintenant, on en fait. Demain, j'ai une on refait une 8 courses d'abord, Rive, on est d'accord? Des courses avant, oui, j'en fais quelques courses, mais. Ouais, 8 courses, ouais, on fait une petite 8 courses d'abord. Laissez-le tranquille. C'est grave! Je te prends 1v1 quand tu veux, Rive. Je joue 12 heures par jour aux jeux vidéo là depuis début de semaine, c'est vrai que bon, bah, ça pèse un peu. Mais je vais fermer, je pense que tu me prends. D'accord, mais tu te dis que ce que tu sacrifies, du coup, c'est Ponce la Switch, c'est pas les autres. C'est ça, exactement. Mais j'ai le petit coup de barre qui fait que bah je suis fatigué, du coup, bah j'ai pas envie de faire stream, je suis fatigué devant les gens. Arrête, moi, c'est tous mes streams sont comme ça, arrête. Tu voulais pas garder de l'énergie pour un événement un peu plus important avec tes amis, c'est ça que tu es en train de nous dire. Préfère dépenser ton énergie dans. Ok, ok. Dans la performance, ouais, tout à fait. Incompréhensible. Okay. Vous faites une pause de 3 minutes, là, c'est ça? C'est ça, ouais. Deux, maintenant. Mais, vraiment, okay. Juste parce que toi, elle fait du géoguesseur? Bah non, c'est juste non, c'est Florence qui va faire réchauffer un truc. Ah, ok, j'avais pas compris. Ah non, tu crois vraiment? Puis là. C'est moi, je suis pas une merde, quand même. Mais vous avez quitté la room ou c'est moi qui ai une heure de co? Non, on a quitté.
Ah, on refait la room. C'est bon? Oui, c'était bon. Ouais, ouais, c'est... on peut y aller. Ryu, tu peux... On peut y aller? Je refais une... allez, on se met en vert, du coup. Quoi? Non, ah, on refait pas Yoshi. Yoshi. C'est pas juste on joue normal. Sorry. Juste on chill, non? C'est bon, on chill, désolé. And this is my fault. Ok. J'ai lancé. Allez. Bravo. Je rejoins Drogly. Je rejoins Drogly. Nous sommes témoins, vous êtes témoins, bien sûr. Oh, c'est quoi ça? Oh l'angoisse. C'est quoi cette dinguerie? Reponce. Okay, dès que vous êtes tous là, j'arrive. Il manque. Je viens d'apprendre que c'est la Nouvelle-Aquitaine qui remporte le grand concours des régions spéciales dans ce folklorique. Oh, t'es pas sérieux, mec. Devant la Polynésie. Putain, merde, merde. Bretagne, il est même pas top 3 apparemment, hein, c'est ça? Fais chier. Merde. Putain, la soirée était cool. Des échasses en Nouvelle-Aquitaine, putain. Aïe. La soirée était cool. Putain. Ça me saoule en vrai. Ça m'énerve. Les mecs qui portent des chemises. Moi, quand je porte une, ça fait l'effet voile de bateau. Oh. Allez, je mets 8. Ah, je suis deg. Petit 200 CC ? Non. La Nouvelle-Aquitaine ici. Vous voulez qu'on mette en équipe pour fun ou... Non ? Non, mais désolé, je propose des trucs. Désolé. Excuse-toi, Rayou, excuse-toi. On est 7. On est l'antifun. Je propose. Excuse-toi. Putain, le sud-ouest, bon. Quelle drôle de région quand même. J'avoue. Antoine a un très bon Norman. Oh. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah putain, en vrai, il est chaud. Ah putain, oui, il est chaud. Ça me gêne. Ça me gêne du coup, ça me gêne de ouf. Ça m'énerve. On se refait quoi? On se refait une petite ristourne des 8 à 8 nouvelles? Ouais, quand même. C'est pour ça que j'ai pris Excite Bike, ouais. Ouais, go. Je l'adore. Ouais, ça aurait été pas mal de refaire les 8 nouvelles dans l'ordre. Le père est drôle. Salut, ça va? Voilà. Ah oui! Salut, ça va? Salut, ça va? Salut. Ah, ça c'est Orelsan? Mais attends. Ouais. Ah, c'est ok, Orelsan. Non, c'est Aurélien Sol, c'est League of Legends. Oui, c'est Aurélien Sol. Propre, JD. Vas-y, refais, JD. C'est grave. Non, flemme. Bah, en vrai, ça le fait. C'est marrant. C'est marrant. Ça va? Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Bonjour, on dirait une vieille dame, Antoine. Ça va? Salut, ça va? Ah, je suis content de faire la corniche champignon. Allez, oh mec, t'es chaud! What the fuck? Si, et Gringe? Et Gringe, il est où Gringe? Gringe, il fait quoi? Il a quoi comme voir Gringe? Non, si, et Gringe! Et Gringe! Ah voilà! Mais c'est Aurel Stan! Mais Aurel! Oui, j'en prie, c'est Aurel! Ok, de quoi? Ouais. Ah! Non, c'était quoi? Me dis pas que c'était Gringe, s'il te plaît, je t'en conjure! Bah non, mais je. Ok. Non, mais j'ai entendu Aurel, donc je réponds. Excusez-moi, pardon, je suis perdu. Pardon. Oui, les caisses, oui, ouais, ah non. Je savais qu'il y avait un caisse, mais je sais pas comment le prendre. Moi j'ai. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais moi je voulais pas faire Gringe, c'est juste qu'il dit Aurel, je réponds. Qu'est-ce que les chutis? Excusez-moi. Ah, pardon, Aurel, excuse-moi, Aurélien. Je suis désolé, mais c'était pour Aurel. Je viens de comprendre. Bah oui, moi j'ai pas dit Aurel, je réponds, ils me disent trop mal fait, je suis en mode bah c'est ma voix, bro. Oh, mais on avait des prénoms, j'avais oublié qu'on avait des prénoms dans la vie. Oui, c'est Aurélien, une chanson. C'est quoi mon prénom? Aurélien, du coup. Moi c'est Antoine. Prends de la vanne. C'est quoi ton. Ok. Je suis Mario Tanuki. C'est ton prénom? Vas-y, pas de backseat dans le chat, et toi, il s'appelle comment? Oui, je pensais à ça. Ah, attends, il s'appelle... Reiko. Oh, c'est... Oh non. C'est un affront. Il a dit Rayen? J'ai un doute. Non, c'est pas vrai, t'as pas un doute, bro. En vrai, no joke, à cause de... En fait, avant, j'étais sûr à 100% du prénom d'Étoile tout le temps. C'est un enfer. À cause de Rayenzi,
Et à cause de Rivenzy, maintenant, des fois, je pense que je me gourre aussi. Moi, c'est du racisme. Moi, c'est du racisme, vraiment. Tu l'appelais Ryan avant alors que c'est Rayen. Non, moi, je l'ai. Mais non, moi, mais non. Mais non. Non, mais je n'existe pas dans vos vies après. C'est un énorme troll là. Là, Riv, tu trolls en vrai. C'est pas possible. Riv, attends. Non, c'est comme cambriolage et cambriolage, je me trompe tout le temps. C'est toujours un peu. Mais il dit cambriolage, à la base il dit cambriolage. En fait, c'est pour ça que je chante tout le temps. Mais oui, ça je vous l'ai déjà dit, arrêtez de faire les. Bah, en fait, c'est la première fois devant nous, on était en direct, récap weekend, et oui, tu nous sors. C'est une affaire de cambriolage. Et on te dit quoi? Tu nous dis cambriolage. On n'a pas compris, on disait c'est une vanne, on fait quoi là? Cambriolage. Non, c'est cambriolage, bien sûr. Ouais. Après, tu te fous de sa gueule, mais tu pensais qu'on disait premium. Hein. Ouais, mais cambriolage, c'est plus marrant. Ah, cambriolage. Lol. Non, oui, moi je croyais qu'on disait premium. Premium? Ouais, premium. Premium. Mais du coup, attends, étoile, on est d'accord? Tu t'appelles Ryan? Exactement. Mais oui, il s'appelle Ryan, mais. Non, mais il y a un moyen mémotechnique. Rayou, Rayou, Rayou. Rayou. Besoin d'un moyen mémotechnique. Moyen mémotechnique pour me souvenir que tu t'appelles Jérémy. C'est pour Rivenzy. Est-ce que Antoine. Rivenzy, il l'appelle Ryan. Un moyen mémotechnique pour Antoine. Vous trouvez des moyens mémotechniques. Antoine. Mais comment ça, des moyens mémotechniques? C'est un prénom. C'est un prénom, mec. Attendez, faut que. Attends, les gars, s'il vous plaît. J'ai besoin d'allumer ma voiture, j'ai un moyen mémotechnique pour me souvenir comment allumer ma voiture. C'est la clé dans la serrure. Je pense que ça va être mais serrure, clé, comment tu fais dans ta tête? Clé. Il y a deux syllabes en plus. Rayou. Ouais, c'est Rayou qui court. Non, c'est pas Rayou, Rayou c'est un surnom. Mais ah mais tu peux retenir Rayou pour te dire que c'est Ryan, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais j'ai toujours dit Ryan. Non. Quel menteur. Oh, non, mais attends, j'ai toujours dit Ryan. C'est dit pas Ryan vrai. Avant non, c'est fou de faire ça. Attends, quoi? Mais non, tu disais le pauvre. La croisade. Le plus gros débunkage de l'histoire peut avoir lieu maintenant en allant regarder les archives. Hein. Non, mais oui. T'es dans le mensonge, là, Riv. Le mensonge, il a dit. Non, mensonge, c'est. Non, arrêtez, ferme-la. Je sais que c'est mensonge. Je sais que c'est mensonge. Mensonge. Arrêtez. Cambriolage. Arrêtez, je sais que c'est mensonge. Juste les ments et les ronds. Arrêtez, arrêtez de suite. Arrêtez. Vous savez qu'il dit, aussi quelqu'un au lieu de quelqu'un. Non, alors. Ah, vous êtes glottophobe. D'accord, super. Vous êtes glottophobe. Parce que ça vient du sud de la France. D'accord, super. C'est l'accent, c'est quelqu'un. Qu'est-ce que je te dise, gros? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'accent quoi. Attends, Ultia dit un requin dans la mer. Moi, tu dis un requin. Hein si, tu dis il y a un requin. Tu dis un requin. Donc voilà. Est-ce que. Vrai, déjà, il n'y a jamais eu de requin dans la. Ah, tu vois. Ouais, il n'y a jamais eu de requin. Excuse-nous, Jamy. Ah mais dis-moi jamais, il n'y a jamais eu de requin dans la mer, c'était que dans les mares et dans les lacs, Jamy. C'est un peu vrai, hein. Dodge ça, Rayou, dodge ça. Je passe par le haut, dodge-moi ça. T'es le meilleur. Je suis passé en bas finalement, je suis une merde. Vas-y, dodge ça. Dans la mer, hein. Ça n'a pas fait. C'est une merde. Ok. Requin dans la mer. Ah. Arquin. Y'a Arquin, y'a Arquin. Y'a Arquin dans la mer. Arquin dans la mer. Arquin dans la mer. Si c'est s'il y avait des requins dans la mer, sait-on jamais pour le concert d'Ongel. Le soir d'Ongel. Mongel, ouais. D'Ongel, bah bon, ça va. Ah, c'est les petites expressions, ça y est. Ah, ça y est. On commence à se moquer des petites. Ah, les voix, je vois, excusez-moi. Excusez-moi des petites erreurs, ça peut arriver. Vraiment, on en est là qu'on se moque de mes problèmes d'expression. Voilà, vous voyez, je bégaye. Je suis plus à l'aise d'être avec vous là. Oh non! Bande de glottophobes. Vous êtes juste glottophobes dans l'âme. Vous êtes juste des glottophobes, je vous déteste. Non, je déteste glottophobes. C'est totalement faux. Regardez, propre banane pour moi. Ah non. Et là, il va m'envoyer sa verte, ce connard. Et si je suis glottophage, ça veut dire que je mange des. Non, glottophobes. Glottophobes. Je mange des glottes. Je mange tes glottes. Ouais. Auré, est-ce que je peux manger ta glotte? Non, tu vas pas manger ma glotte. Vous êtes dégueulasse. Arrêtez. Tu manges pas des glottes, mec.
Personne ne mange de glotte. Je te ferai, le titre de la, du replay, il mange sa glotte. Moi, ça fait 7 heures que je me fais avec Sidebike, je tiens à le dire. Il déguste sa glotte. Est-ce que je pourrais manger ta glotte, s'il te plaît? Il est propre. Il le tient, ouais. Il le tient. Voilà. Mais. Donc, du coup, c'est. Ryan. Oh non, 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 non. Bah, il l'a dit bien là. Oui, il l'a dit bien. Ouais, c'est bien. Je voulais qu'il doute. Je voulais qu'il doute. Ryan. Comment? C'est Ryan. Non. C'est. Oh là. Non, arrête. C'était quoi le moyen mnémotechnique là, JD, du coup? Mais c'est un prénom, putain, y'a pas de moyen. Déjà, c'est un prénom, voilà. C'est un prénom. Rayou, Ryan. Excusez-moi. Oui. Oui. T'as vu Arca? Je viens de voir qu'il y a une émote JPEP. Dans mon chat, alors que j'ai inventé le terme JPEP. Non, 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 arrête. Mais c'est pas ton émote? Non, ah non, c'est pas la mienne. Il y a quelqu'un qui vient de poster, mais avec la tienne, effectivement. Oui, moi j'ai la tienne, j'ai la tienne, moi. Ouais, non, 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 mais il y a quelqu'un d'autre, c'est qui? Je pense qu'il pourrait en parler à Ben de tout direct, hein, pour régler le temps. Ça parlait comme. C'est qui? C'est qui? Est-ce que si vous avez l'info, n'hésitez pas à nous dire quel streamer a volé l'expression à Ultia qui a inventé JPEP. Arrêtez là! Vous avez perdu pied là, messieurs dames. Je pense que les idées flottent dans l'air et que tout le monde peut s'en saisir. Hein, donc... Ah oui, oui, on y revient. Ils ont perdu pied. J'ai inventé le JP. Non. Tu sais, moi j'essaie à deux doigts de débunk Stéphane Bourgoin et ça s'est pas passé comme ça finalement. Donc, oui, c'est vrai, des fois on se fait voler ces trucs. Hein. Ouais. Oh, je la vois la JP. Attends, je la vois. Putain, d'ailleurs, j'ai peut-être une question. J'ai peut-être quelqu'un à débunk, mais il faudrait que je t'en parle, Florence, en off. Ah non, mais j'ai un doute. Non, on peut les perdre. Non, parce que quand on aura débunké, vous avez. Hein? Tu vois qui c'est, un 2-3 lunatique, Rivenzi? Oui, je vois, je vois. Est-ce que tu connais son prénom? Moi, je le connais. Non, je connais pas son prénom. Moi, je le connais pas non plus. Il s'appelle Julien, ça lui fera très plaisir. Je crois qu'il s'appelle Julien, non? Il s'appelle Julien. Julien. Il adore. Il déteste Julien, tu lui diras bien Julien. Ça fait, il déteste. Pourquoi il était... Bah c'est Julien, c'est pas très long, enfin ça peut arriver de faire des erreurs, tu vois. Non mais arrête, c'est comme quand on m'appelle Clara, ça me saoule, c'est tout, voilà, faut que tu comprennes. Moi on m'appelle Adrien souvent, donc c'est vous dire à quel point... Adrien... Mais c'est moi, pourquoi je t'appelle Adrien? Oui, même Ultia, des fois elle me dit Adrien, je suis en mode bah non, c'est toujours pas Adrien, non, effectivement. Bah moi y'a des connards qui m'appellent Ryan et j'en fais pas tout un plat. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais si t'as un moyen mémotechnique, ça peut être... Non, tu vois les couilles. Non mais c'est vraiment, je suis désolé, hein, désolé, et là-dessus je m'adresse pas directement à toi mais plus à tes parents, mais Étoile. Quoi mais tu vas dire que tu vas juger le prénom? Mais ça, mais t'es un con. Ma mère, je crois qu'elle regarde le live et connaissant son tempérament d'Algérienne, elle est en train de bouillir, gros. Là elle est en train de se dire quoi mon choix de prénom, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as contre Ryan? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais j'adore le prénom. Parle de mon fils. Parle de mon fils, sale chien. Avec tes crêpes là et ton site de merde. Espèce, retourne à Brest, putain. Allez hop là. Okay. Les gens ils se trompent pas sur mon prénom. Attends, c'est Antoine. Ouais, c'est vrai que Antoine. C'est ton pseudo. Bien joué. Ouais, c'est un pseudo. Ouais. Mais... Antoine Douanel. Antoine Douanel. Ouais. Douanel, ouais. Daniel. Je vais rouler en Merco, moi, sur cette prochaine game. Je sors ma Merco. Excusez-moi, c'est beau comme prénom. Hein. Je sors une grosse. Bonjour à la maman de Rayou. Bonjour la maman de Rayou. Bonjour maman de Rayou. En plus, je sais qu'elle écoute les podcasts Live Histoire. En plus, il y en a de nouveaux qui sont sortis, donc elle n'hésite pas à les écouter tout à fait. Elle les écoutera sûrement et elle me dira « Ah non, mais Rivenzi, c'est vraiment bien ce qu'il fait, franchement, en termes de... » En termes d'histoire... Ça change, hein. Non, mais en termes... En termes de concentration historique et même quand on voit un peu ce qu'il y a derrière, hein, derrière la concentration, il est très concentré. Attends, mais là, elle est pas en train de bouillir, en train de faire d'où mon fils, il me refait comme ça. D'où mon fils, il me refait. C'est pas vrai, putain. On peut pas vérifier la véracité de l'imitation si elle est bonne ou pas, du coup. Mais non, mais vous la verrez un jour. Mais vous l'avez. Attends, mais moi j'aimerais bien la rencontrer. Vous l'avez. Mais tu l'as vu, Ponce, au concert du Z-Event? Mais je pense de loin. Ah, attends, elle était là et tu nous l'as pas dit. Si, tu nous l'as dit, mais tu nous l'as pas présenté. Je vous l'ai dit. Si, tu nous l'as dit, mais pas présenté, bro. Bah non, parce que j'aurais demandé que tu nous la présentes, en fait.
Calme-toi. Mais en fait, il y avait mes parents qui au concert de Zed Event parce qu'ils étaient en vacances juste à côté. Et du coup, ils sont passés. Et ils étaient en train de regarder le concert tout au fond de la salle. Et c'était marrant parce que je suis resté un peu derrière du coup dans le public avec eux pour regarder le concert. Et il y avait des gens devant qui étaient en mode ah, Etoine, il a honte des artistes, il est derrière. Alors qu'en fait j'étais juste avec mes parents. Avec mes darons. Il a honte des artistes. Le mec sur interprète de fou. Le mec a honte en fait des artistes. En fait il y avait des gens qui ont tweet en mode ah bah bizarrement Etoine quand il y avait L.I.J. il était derrière. J'étais en mode bah en fait je suis juste allé voir avec mes parents. Etoine misogyne. Bah, vraiment, les gens ont fait des raccourcis inhumains. Ils ont rencontré Zera, ils se sont baladés un peu, mais ils sont pas restés longtemps, quoi. Mais j'étais persuadé de vous l'avoir dit. Si tu nous l'as dit, alors si tu nous l'as dit, mais tu nous l'as. On les a pas vus, quoi. On l'a caché. Tu vois Après, mon père a vraiment la même tête que moi, du coup, c'est marrant. Parce que. Peut-être j'avais cru que c'était Etoile et en fait c'était. Bah non, mais en fait, quand Zera est passé devant, il a regardé, il a fait. Non, mais attends, le CTRL-C, CTRL-V là. Il a vraiment dit ça à mon père en mode. Non, mais attends, bizarre l'ambiance. Non, mais vous les verrez. Déjà, si vous allez à la Trackmania Cup de Bercy, mon daron il veut voir Trackmania donc. Tu me régales. Ah, trop mignon. Il est là, il adore les voitures, mon père. Je comprends pas, j'avais même pas du thème. Mais quoi Ça te dégoûte d'avoir moi? Elle était peut-être sur la route. Ah ouais, peut-être. C'est vraiment la meilleure. On m'a volé mon rayou là. Je sais pas d'où elle sort. C'est vraiment la meilleure. Tu m'as volé mon étoile ? Non, j'avais rien. Mais putain. Mais non, mais en fait, j'avais l'8, t'étais passé, tu m'as collé, t'as pris mon étoile qui tournait sur. C'est du coup. C'est toi ? Oh non, pas la rouge. Non, mais de toute façon, je suis là, donc c'est moi qui prends, c'est la mec. Putain, mais prends l'autre. Ok, JD, 6x6. Bah, 36! Et bah t'as gagné, passe devant. Tu me laisses pas. Ah, putain, non, j'ai pas gagné, je vais dans la tronche là. Vas-y, moi aussi, fais-moi une multiplication s'il te plaît pour me laisser passer. Ok. Bah après, mec. Pas deux quand même. Non, mais bien joué, j'ai déjà gagné. J'ai mis Kigma rouge, dommage. Dommage. C'est le soleil, le père d'étoile, t'as la ref? Ah, et non, j'ai la. Je l'ai. Je l'ai. Par rapport à l'ast. Je l'ai, bien vu en vrai. Moi, je l'ai, ouais. Bien moi je suis mute. Bon, là on t'entend, là dans l'immédiat on t'entend. En fait, ça fait deux courses que je parle et que personne. Bah non, si, je t'ai répondu parce que je t'ai volé l'étoile et tout. C'est littéralement le seul moment où. Mais c'est peut-être. J'ai l'impression que ton son est peut-être écrasé, ça s'est peut-être recoché. C'est possible. Là c'est mieux. Là, ah. Ah, super. Ah, super. Super. C'est vrai, je crois que ça te baisse quand on parle en même temps que toi en fait. Mario de métal. Très bien. Mais c'est pas plus mal après, j'avoue. J'avoue. C'est pas le bonheur. Aujourd'hui j'en ai plus là. Vous avez raison. Julien Doré, quel chanteur. Cuire le poisson pané. T'es loin de ton micro, Antoine, non? Il est littéralement collé à ma bouche. Exactement. Littéralement. T'as bossé la main ? Littéralement. Je mange mon micro là. Ah, tu manges le micro là ? Ouais, actuellement. Il déglingue le micro, tu vois. Je fais un super départ là. En just déglinguing ! C'est top. Il déglingue, c'est top. Oh oui ! Mais ouais, non, mais ouais, bon, le setup aide pas beaucoup là, j'avoue. C'est compliqué. De quoi ? Non, parce que je suis en Merco. Ah oui. Et j'arrive pas à sortir mes drifts. Je suis en full Merco là. Merco Mascas. Il est en Merco Ben. Oh. Le randomizer qui met bien quoi. Toujours. Non mais en fait vu que c'est un jeu où il n'y a pas de mise à jour etc, ça fait plaisir d'utiliser ce genre de moment pour jouer un peu autre chose quoi. Sinon c'est vraiment insupportable. C'est vrai, c'est toujours le même jeu quoi. Bah tu fais toujours la même chose. C'est une mise à jour. Mais de août 2014. Oui. C'est absolument terrible. La dernière mise à jour c'est août 2014. Terrible. Non, la dernière mise à jour c'est, j'ai regardé tout à l'heure, c'était en avril 2015. Wow. Où ils ont fait un vrai ajout. Il y a 7 ans, mec. Ils ont rajouté les maps, dont Big Blue. Wow. Oh non, j'essaie de prendre une trache de malade mental. Ah, non, en vrai, Mario Kart 8 Deluxe a rajouté les arènes. Donc en soi, Mario Kart 8 Deluxe est une mise à jour en 2017. Donc. Les arènes, tu veux dire les maps bataille? Ouais, les batailles, pardon. Il y avait pas de bataille sur le 8? Non, ils avaient pas eu le temps de les faire parce qu'ils voulaient les sortir très vite pour essayer de récupérer un peu les ventes catastrophiques de la Wii U. Ah ouais.
Avec un ouais, d'accord. Et pas pulsien. Bon, je vends, non. Non, Florence. Qu'est-ce qui se passe, Florence? Non, mais je c'est scandaleux. Non, Florence. Ah non, moi aussi, il m'est arrivé des trucs scandaleux. C'est combien, Florence? Rien n'arrive. Là, je suis 10ème, non, mais je me fais radatiner par le jeu, mais à juste ce titre, tu vois. 9ème, en vrai. Moi aussi, je prends un peu. On est pas loin. Vas-y, est-ce que je backspam ma verte sur Florence? Oh, je me suis fait karma instant. J'ai voulu faire ça pour dodge la bleue, mais je l'ai fait trop tôt. Il a pété un plomb, en fait. Oh non. Non, Un petit éclair d'électricité. J'allais tuer le tien, j'avais très mais c'est quoi? Elle méritait d'aller au bout parce qu'elle a super bien joué toute la map, en fait, donc... Attention pour ça rouge. C'est parti du jeu. Oh, bon, c'était chaud, bâtard. Oh, mais je suis en merco. Ah, dommage, oh non, le backspam, putain de... Oh, le backspam de fils de... Est-ce que j'ai... Oui. Je suis en merco. Benz. C'est dur, quoi, let's go les gars. Putain, Florence, what the fuck? Oh non, mais j'ai pas le mental du tout là, j'ai give up en fait sur ce sport. T'as give up, mais pourquoi t'as give up? Hein? Pourquoi t'as give up? Parce que je me suis trop fait focus et en fait, écoute, Florent, il est parti se barrer en mode c'est bon. Florence, reset mental, gameplay sourire. Any smilers in chat? Any smilers? Non mais je votais pas le baby jusqu'à la fin, je pense. Oh, oh ouais, ma Merco Benz dans Tokyo. Est-ce qu'il y a des smilers? Benz dans ta zone. Est-ce qu'il y a quelques smilers? Et toi, il a spam, t'es la meilleure dans mon chat, c'est trop. Oh, je l'ai pas dit, c'est vérité. Taka, mais non. Vérité, le bannissement est vérité. Et t'es banni de la chaîne d'or. Non, mais non. Banni de la chaîne d'angle droit. Ah ouais, c'est vérité. Quel enfer! Moi je me suis déjà fait bannir de la plusieurs fois de la chaîne Multia. D'ailleurs, je suis peut-être encore ban de la chaîne Multia. C'est possible. Regardez. Chez moi, vous êtes tous ban. Yes? Ah ouais? Bon. Ok, bon. Je regarde si je suis banni de la chaîne Multia. Oh, c'est dommage, je l'ai pas. Mais franchement, t'es pas banni. Je voulais pas un 3 chez toi, Anton, mais je peux pas parce que je suis ban. Je peux banni. Je peux même rester ban si tu veux. Je voulais donner 10 000 bits, mais le ban m'a un peu refroidi. Aïe. Dommage, hein. Allez. Il y a quelques âmes généreuses dans le public qui peuvent compenser justement. Rivenzy, t'es pas abonné à ma chaîne? C'est vrai ça. Oh la presse. Tu fuiras sur IRL. Ça passera pas par Jeff Bezos. 4. Bannissez-le. Oh, c'est bon. Quel chez moi, tous les gens qui sont passables qui sont bannes, hein, de toute façon. Ouais, je suis premier. Bon, et tu sais qu'il y avait une chaîne qui faisait ça, hein. Ah, merci Rivenzy. C'est quoi? Alors, il y avait un streamer qui bannissait toutes les personnes qui avaient Prime, mais qui ne l'avaient pas claqué. En France? Oui, en France. Oui. Ah ouais? On a fait... depuis qu'il organise la Zilan, il a changé aussi, donc. on va pas. C'est quelqu'un de meilleur maintenant, quoi, clairement. Ouais, faut pas juger, c'est vrai. Mais on le connaît? Face Even depuis. Non, non. Pense pas, toi. Peut-être. Non, on va pas le dire. Non, mais je vais pas. C'était pas en mode. C'était rigolo, la personne qui a fait ça en plus. C'était vraiment sérieux. Bah, après c'est quand même le concept, tu vois. Mais après, il le faisait, quoi. Donc, bon. Ouais. Bah, c'est déjà un peu de la merde, mais bon. Oui. Et il a jamais déban les gens par la suite. J'en sais rien. Mais je pense que parmi tous les gens qui nous regardent, il y en a forcément une personne qui sait qui c'est, quoi. C'est tout. Ouais. Je sais pas s'il le fera encore. Moi, j'avoue, j'ai pas le pseudo en tête. Vraiment, je pourrais même pas dire, j'ai pas le pseudo en tête. Oh, mais je suis trop dans la merde. Peut-être une bonne idée, hein, je sais pas. Moi, je connais pas du tout. Non. Un business model, non, Florent. Antoine qui me dit non, premier degré, tu sais, maintenant. Oui, mais je sais. Oh non, Rayou. Ah bon, tu penses, Antoine? Désolé, Fon. Désolé, Fon. Oh, Rayou. Elle est trop belle, en vrai elle est incroyable. Ah, y'a rien à dire. Je l'ai vu, c'était très beau. Avec un fou ça, j'ai pas réussi. Rien à dire, mec, elle est magnifique. Et ton klaxon était beau aussi, tout était magnifique. Elle est magnifique. Oh, c'était magnifique. Il faut savoir reconnaître, c'est Mozart avec des skis. C'est le Mozart de son sport. Il maîtrise les roues. C'est formidable. C'est formidable. On me dit, est-ce que ces initiales commencent par hasard? Par A et D. Le problème, c'est que je me rappelle. Angle plus droit, par exemple. Non, comme Antoine Daniel. Angle droit, par exemple. Oh non. Je vais Antoine Daniel. Aïe. Est-ce que ce serait. J'avais pas la rêve, j'avais répondu beaucoup trop premier degré. Est-ce que ce serait pas Frédéric M? Ce serait fou, quoi. Merci, David. C'est vraiment les gens qui. Merci pour la fête des fleurs, c'est gentil. Merci beaucoup. Du coup, les gens, ils se baissent, du coup? Je sais pas.
Je pense, hein. Ça devait marcher. Oh putain. Oh mais non, mais. On va terminer là-dessus, là. C'est la dernière. Non, c'est l'avant-dernière. Arène Excitebike, putain, c'est. Non, c'est hey, je l'ai voté depuis 1000 ans. C'est la dernière. Ouais, il faut s'accrocher, hein. Non, il en reste deux. Pas spécial. Cool. Dans ma Merco. Comment on offre un sub à quelqu'un en particulier? Vous pouvez offrir 50 subs et ça peut tomber sur l'un. C'est la seule façon, vraiment. Hein. La seule façon que vous pouvez faire, c'est le plus simple. Le seul moyen, le seul moyen. Ouais, vous regardez le nombre de spectateurs puis... dans le chat, vous donnez le nombre de subs équivalent et du coup, la personne que vous voulez sera sub. C'est mathématique. Comment enrichir les plus riches? Vraiment, c'est... Pas vrai, c'est le système de Twitch. Hein. Twitch, ils encouragent grave les petits créateurs et tout. Hein. Ouais, pardon. Vraiment la galère pour les plus gros, alors que les petits ils sont vraiment. Enfin, le truc incohérent à ce point qui est. Oh, l'odeur du débat, quoi. L'odeur du débat. C'est surtout complètement incohérent, ça me fume. Je déteste cette map. Vas-y, ils ont tu sais, toi, l'arbi? Ah, tu sais, toi, l'arbi? Ah, je crois que l'arbi il sait le nom du streamer. Ah ben on va name drop, justement. On va name drop. Il le fait encore ou pas? Dans une, deux, on va le donner, on va donner le nom, on va le donner tous, messieurs dames, on va le dire. C'est Mintos. C'est Mintos, Mintos, il a banni tous les gens qui voulaient pas prime chez lui, c'est Mintos, salaud. Le gamer juteux en personne. C'est lui, c'est Mintos. Il bannissait les gens qui voulaient pas prime chez lui. Il est Saint-Etienne, on ne pouvait pas espérer mieux de quelqu'un venant de Saint-Etienne, j'étais sûr en fait. C'est moi qui t'en ai parlé. Ah, le putain. Je suis désolée, Herbie, j'ai oublié que c'était toi qui m'en avais parlé. Oh, elle a même pas qualité, c'est horrible. Et du coup, il le fait encore ou pas? Ah mais oui, c'était un streamer que regardait l'Herbie, c'est vrai, je m'en rappelle. Maintenant. Oui. Ah du coup, il avait ça. On peut dire qui est l'Herbie, s'il vous plaît. Pour mais non, mais je m'en rappelle quand on a parlé avec l'Herbie. L'Herbie, c'est mon modérateur et ami avant tout. Très bien. D'accord. T'as quand même dit modérateur d'abord. Il joue Falcon. Il joue Falcon. Il joue Falcon. Mais pas que. Il a un Snake aussi. Pas non, s'il vous plaît. Il y a des gens. Il y a des gens parce qu'en quelqu'un, ce qui est important pour eux, c'est le Signastro. Et pour Étoile, c'est le Main Smash. Très sérieux. Représentatif vraiment de ta personnalité que le Signastro. Non. Mais tu sais que vraiment, dis-moi qui tu joues, je te dirai qui tu es. Mais vraiment, c'est vraiment. C'est vrai dans Smash. Je joue Luigi. Bah Luigi, mec un peu bizarre qui mange de la colle. Ok, enfin, face voilà. Aspirateur. Qui. Non mais, les main Luigi c'est exceptionnel. Mais... Du coup, Kirby. Ah bah, il stream vas-y. Plus, je crois. Kirby, t'es quelqu'un qui t'adapte bien aux situations, assez gentil. T'as plusieurs sauts dans la vie, c'est-à-dire que si tu sautes une fois, tu peux ressauter. Ok. Okay. Et ça, c'est. Je trouve que t'es quelqu'un quand même d'assez versatile dans ton comportement. Stylé, et tu t'adaptes très bien aux gens. En fait, okay. Tu t'adaptes très bien aux gens, c'est-à-dire en fonction des discussions et tout, tu sais très bien te mettre dans la conversation. Et si tu joues par exemple Plante Piranha? C'est Amine, c'est Amine. Tu fais une très jolie fleur. Tu fais une très jolie fleur, mais tu sens pas très. C'est Amine qui joue Plante Piranha. Mais Amine, il est vraiment trop motivé pour reprendre ce match là. Il joue Plante Piranha et il est en mode. Il veut vraiment jouer de fou là. Il est bon, Amine. Hein. Il est et bon. Corinne hein. Il est solide, ouais. Il est solide. Bah, Corinne, malheureusement, t'as décidé de vivre la vie en mode difficile quoi. C'est le problème. Et Zelda? Mais Zelda, moi, je trouve que les mains Zelda sont généralement gentils. De tous ceux que je connais, ils sont trop gentils, timides et réservés, mais très. Tous les mains Zelda que je connais. Ah, c'est pas Yves-François, Antoine. Pourtant, ouais, Antoine, il est quand même vachement sympa. Je suis pas orgueilleux. Ouais. Orgueilleux, ah, bah, sympa. Ouais, c'est vrai qu'il y a, pas beaucoup de défauts, j'ai l'impression, quand tu donnes tes descriptions. C'est et vrai toi, qu'il y a pas de. Des trucs de. Non, il a quand même dit mec bizarre. Alors attendez, il a quand même dit mec bizarre qui bouffe de la colle. Hein, donc, oui, pour Luigi, oui. Pour Luigi, c'est oui. Pas, c'est pas forcément péjoratif, tu vois. Je ferai. Je parlerai dans ma prochaine conférence X des main Steve, quoi. Et genre. Étoile, tu dirais que les personnes les plus malveillantes, elles mainent quel personnage? Roy. Roy, c'est un peu malveillant, mais Palutena, c'est très malveillant. Ouais, Palutena, c'est abusé. Palutena, c'est très très malveillant. Moi, j'aimais bien Palutena, comme quoi. Bah, tu n'as pas appris à jouer avec Palutena, Étoile? Non, tout le monde a appris à jouer. Ah. Lucina. Lucina, pardon. Et les mains ZSS, t'en penses quoi, Samu sans armure? Ah, ils sont généralement assez bons, très très mécaniques. Le seul problème. Ah, c'est pas moi du coup. Laisse-moi finir, toi, le mec qui connaît même pas mon prénom, de quoi tu parles? Oh là là! C'est bien envoyé. Avec les mains ZSS, ils aiment trop rappeler le fait que leur perso est pas ouf.
Ça je te jure que les mains c'est des... Ouais mais ça connecte pas. Bah en vrai y a une réalité où genre t'es plus que d'autres persos, tu dois mettre des trucs un peu pixels, c'est un peu dur. Oui, c'est vrai, oui, non. Bon, du coup, je suis en train de faire ce que t'as dit qu'on faisait, j'avoue. Voilà, c'est exactement ce que tu vas faire, ouais. Mais c'est vrai. Oh, l'éclair, non, qui a mis ça? C'était le pire moment. Oh, les bâtards, les piles. C'était le pire moment pour l'éclair, non, fais chier. Putain, pompe ta merde. Oh non. J'aime trop ce combo, je pense que je vais faire le tournoi de ponce avec le paracoccinelli maintenant. Ah mais Para, tu sais que moi j'ai joué Para pendant genre 2 mois, hein. C'était trop cool. J'aime trop, mec. Et mais en fait là où tu vas un peu bader, c'est que c'est trop fort, mais les collisions mec, les collisions, tu vas péter un plomb. Ouais. Genre tu RF quelqu'un, tu pars en couille, c'est horrible. Oh non, je me fais voler, mais quoi, mais c'est parce que de la merde. Hop là. Let's go. À chaque fois. Je sauve la mise. C'était chaud, hein. C'était chaud et c'était la dernière course de ce GP, messieurs dames. Bravo. Tout à fait. Et ce GP. Et bah, bon pour moi de vous laisser en tout cas. Bonne nuit, Ryan. Salut, Riven. Bonne nuit à toi. Je vais aller aux toilettes pour aller chier sur la tête de Riven. Bien sûr. Et n'hésite pas à marcher dedans, bien sûr. Ça te fera. Ça te portera bonheur. Mais. J'ai rien dit. J'avais entendu un truc. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent décaler peut-être sur un petit smash tous ensemble à raconter de la merde, peut-être? Oh non, encore MK un peu. Encore MK un peu, ouais. Moi, je vous suis. Moi, peu importe. Les deux me vont, si vous voulez encore jouer à MK. Encore quelques courses. Encore un 8. Ouais. Bon, en vrai, j'ai un peu du mal avec Smash en ce moment. J'aime pas trop le jeu, donc... Ok, bah ouais, t'inquiète, n'y jouera pas, mec, pas de soucis. N'y jouera pas, mec, t'inquiète. En otage, entretien, c'est un appel à l'aide, Ryu, non? C'est non, bah, Fozo, ça veut dire qu'il va pas bien. Ryu qui dit qu'il aime plus Smash, là je m'inquiète, mais il est au moins des ravisseurs, tu vois. C'est bizarre. Des pourcentages. Il mange. Bon, je fais des gros bisous, merci beaucoup. Bisous. Repose-toi bien. Sauf une personne, mais je ne dirai pas qui, bien sûr. Okay. Normalement, je me laisse le soin de lui envoyer un petit message. Jean, privé, étoile. C'est moi. Bien allez, ciao, tout le monde. Bisous, et bien sûr, n'oubliez pas le plus important, bien sûr. Je vais mettre un point. C'est l'amour. On est banni. Yes. Bisous. Salut. Salut. Ah, j'avoue qu'on aurait pu... Bon débarras, tout simplement. Bon. Oh non! C'est pas vrai, pourquoi pas tout le monde me spam un clip dans mon chat, Antoine? Il s'est passé un truc chez moi, je pourrais même pas t'expliquer, faut juste que tu le regardes. C'est très marrant. Très très marrant. Alors, je vais me faire un petit randomizer là, ça va être lourd. Tout le monde me le spam, c'est un truc de ouf. Oui. Heureusement que Lien s'est pas banni chez moi. Bon, c'est bon. Pardon. Ok. Bah, j'ai déjà joué Link en fait. Mais bon, t'arrives à changer pendant qu'il y a l'écran de sélection? Ouais. Et Paris. Ouais. Ah, pendant que ça roule déjà, je dis. Ok, j'avais pas que c'était possible. Non. J'allais à Paris en fait. Là, j'allais juste sur le site pour tout à l'heure. Ok. Je vais sur le site, hop, je prépare mon truc et boum. Oh, trop bien cette course du DLC qu'on a jamais faite. On a besoin de toutes les courses du DLC. Remake, pourquoi? Quoi? Il faut remake? Non. Okay. Désolé. Je comprenais pas, j'ai. Oh là. Quelle map de fou. Du coup, t'as pas eu le temps de voir la map. Florence? Moi, c'est trop fait, mais sympa. Florence? Oui. T'as pas eu le temps de voir le clip du coup? Bah non, on joue. Ah, j'avoue là. Ça se tient. Play, en fait. Ça se tient. Non, mais il me remet le clip. Mais non, Rivenzi qui me raide, merci beaucoup. Ah bah c'est gentil de sa part. C'est super généreux de sa part en vrai, merci à lui. Il était vraiment pas obligé. Hein. O et un. Un E I O U Y. Ok. Bien joué. Très bien joué. Ouais, apparemment il y a peut-être un problème de son de moi chez les autres, effectivement. Ah bon? Je sais pas pourquoi. Bah en fait... Parfois on entend pas trop, j'ai l'impression. Oui, c'est après, ça. C'est vraiment faible, ouais. En fait ça bah, écrase. Mais pourquoi, j'ai rien changé. Mais tu sais, en fait, ce qui est trop chiant avec Discord, c'est que des fois, ça se reset d'un coup, t'as la réduction du bruit qui se met. Justement, elle est pas au début du stream, justement. Et puis, des fois, nous, on a déjà constaté des trucs, genre, par exemple, une même personne qu'on met au même pourcentage,
il y a quelqu'un qui va très bien entendre et quelqu'un d'autre qui va pas l'entendre, genre quand on fait du Among Us à 10, on a une pote. Des fois, genre, il y a 5 personnes qui l'entendent ultra bas et 5 personnes qui l'entendent ultra fort. Et c'est, mais c'est juste Discord, c'est de la merde. Bizarre. Ouais, c'est vraiment de la merde. En termes de vocal pur, c'est à chier, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Ouais, Antoine, on dirait un peu qu'il parle comme ça, tout d'un coup il assume ouais, plus mais trop. Non, je... Oui, c'est ça, exactement. Et après, mais après, est-ce que j'ai vraiment le droit de dire ça en stream? Je vais pas avoir des problèmes, je vais pas avoir une polémique. T'es vraiment un peu comme ça, quoi, on t'entend, Antoine. Des trucs comme ça, moi. Voilà, exactement, voilà, ça fait ce son là. Ça fait exactement ça. Mais quoi? Putain. Et voilà, et là on entend bien. C'est... Après, faut que je parle fort tout le long, quoi. Ouais, et voilà. Ouais, voilà. Ah, d'accord, bah ok, cool. Alors quoi ça? Ouais, non, mais en vrai, il vaut juste tu gueules. Juste tu gueules, on t'entend bien hein, si tu gueules en vrai. D'accord, ok, pas de problème. On te dit si jamais. Oui, oui, ok. Est-ce que t'as du miel? Non. Ah. T'as du miel? Ultia, mais pas celle. Ok, c'est bon. Yes! Ok! Ok! Bon, on entend là. Ouais, on est avec. J'ai fait 3! Troisième! Bien joué! C'est on 10 est, points! On est avec Antoine en duplex ici. Antoine, comment ça va? Ça va et toi? Toujours l'angoisse, putain. Ok. Ok. T'as voté quoi, Antoine, comme map? Quoi, vous rigolez? Pays fromage. Ah, t'as vraiment... Vous rigolez, qu'est-ce qui se passe? T'as voté pays fromage. Bah, non, mais... Ils font des blagues. Ok. Non, mais... Y a un j'ai peu de lag. J'ai rien compris, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est juste, y a un peu de lag avec... avec Antoine. Ouais, c'est relou. Un petit peu de délai, quoi. Un petit peu de délai. Ça va, Antoine? Ah putain. Je vais détendre l'atmosphère. Oh mon dieu. Comment il s'appelle, Rayou? Ton vrai prénom? J'en peux plus. Putain, j'ai un coup de barre là. Ryan. Oh non. Faut que j'aille me coucher, je pense. Ah ouais, c'est vrai, faire, Rayou? Genre, il y a un bug. Ouais, il faut que j'aille me coucher, je pense qu'il est tard. Ah mais on est d'accord que ton... Avec la gorge, avec la gorge. Ton idée était à chier de pas dormir. Non mais je pense pour... En vrai, je pense que c'est non. L'idée qu'il faut. Non, mais... non, 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 non. Non, arrête. Arrête, tu peux pas défendre ça. Tu peux pas défendre ça. Je vais t'expliquer. Le problème, c'est que j'ai nuit de la culte, et nuit de la culte, faut que je sois en forme. Mais faut que je me recale, parce que c'est un enfer dans la vie de se lever aussi tard. Bah oui. Moi, ça me déprime de ouf. Moi aussi. Moi aussi, je serais trop mal. Ne pas voir la lumière du jour déjà. Pardon, j'ai là un chat dans les gorges. Ah, je la vois la lumière du jour, je suis avec vous en vocal. Oh, pipi. Oh. Est-ce que tu me niens? Il est cute. Oh. Yeah. Oh. Il est cute. Oh. T'as la ref, quoi. Tu sais, mais ouais, non, il faut que je me couche, quoi. Mais justement, bah, mais c'est très bien, à la fin du live, là, tu vas te coucher. Tu fais une bonne nuit. Y'a mec. Non mais oui mais voilà mais y'a Outwits, non mais d'accord mais bon. Y'a Outwits mec, y'a Outwits. Ah il faut que je traîne mec, sinon je vais décevoir tout le monde quoi. Et personne n'attend rien mec. Bah oui c'est vrai. C'est ça la vanne. Merde j'ai pas de chance. Oh non j'ai raté. Mais putain oh. Arrêtez de me rouler dessus. Arrête mon jeu s'il te plaît. On est sur Mario Kart. Relax plus Antoine là, c'est marrant là. Wouah. Dans ta gueule. Tu as Florent. Non je te dis tu lags plus pour faire tes vannes. Graveleuse, hein. Sont graveleuses, tes vannes, Antoine. Graveleuse, tout à fait, c'est le mot que je cherchais. Graveleuse, il y a une époque, hein. Ah ouais, oh putain. Oh. Ouais, c'est vrai, hein. Oh, allez, vrai. Oh, tu le défonces, ce Link, ponce. Je le démolis, mec. Mais stop. Oh, mec, tu dodge la bleue, tu dodge la bleue. Je tente un dodge bleu, promis. Promis. Oh, moi aussi, mec, attends, viens à côté de moi. Attends, mais je peux pas, je suis en train d'arriver, j'aurai pas. Oh t'aurais dû freiner mec au dodge, j'avais moi aussi un champion, on aurait fait double dodge, deux frères, deux fauves. Je pouvais plus jouer, oui mais la dernière fois qu'on a fait ça, tu m'as baisé quand même. Mais y avait non, mais Link, il est fou. Je voulais voir, comment on voyait. Merde, je dis pas mieux, excuse-moi. Ah. Non mais tu, oui. Vas-y. Oh, on est ensemble. Non, partage pas. Super. Faut pas partager son Kinder. Partage. Je suis dégoûté là. Bon bref. Un petit Panam. Non. Encore. C'est Paname, la Tour F. Non, la Tour F. Moi j'aime bien la Paris.
Moi aussi j'aime bien, mais franchement moi celle du DLC, à part le fait qu'elle soit plus fade et donc plus moche et moins de décor, moi je les aime bien à peu près. Supermarché Coco est pas ouf moi. Il y a un très gros truc, enfin un sujet dont on a parlé avec Étoile qui est... Et justement ce serait intéressant d'avoir vos avis, est-ce que vous avez l'impression que les maps du DLC sont plus courtes en termes de temps? Non. Oui. Que les... Oui. Mais c'est juste une impression pour le coup. Et en fait, c'est du mobile aussi, c'est peut-être pour ça. En fait... La question, en fait, c'est pas juste un effet placebo. Alors, je vais reposer la question différemment. Est-ce que vous avez l'impression... Florence, t'as vu le clip? J'ai vu le clip. Ah, okay, il est très bien. Ça a l'air Est-ce que vous avez l'impression que les maps qu'il y a là sont plus courtes que les 8 premières du jeu de base? Ouais, je suis d'accord. Que les 8 premières du jeu de base? Ah, ça, je sais pas, par contre. Ouais, genre que les 4, tu vois, les 4 de la coupe du haut et les 4 de la coupe du bas. Je sais pas. En fait, elles font la même durée que les... Elles font grosso modo la même durée que les premières. Donc la question, c'est est-ce que les suivantes, ils vont mettre des plus longues ou est-ce qu'ils vont continuer sur des maps de cette durée, auquel cas, bah du coup, le DLC aura réellement des maps beaucoup plus courtes. C'est ça qui va un peu... Qui va un peu faire la diff. Et c'est vrai qu'elles sont un petit peu courtes et ça pouvait être un peu frustrant. Mais tu sais, les world records, par exemple, ils sont pas plus courts que les world records de toutes les maps de MK8. Hein. Alors, après, ils vont être perfectibles. C'est voilà. Que les gens sont sur les... C'est ça. Enfin, voilà. C'est vrai, mais après, tu sais, les records, les world records aussi, ils bougent pas énormément sur MK8 Deluxe sur les autres maps. Oui, mais tu vois, j'ai tout simplement comparé les temps des fantômes des développeurs, en fait. Je me suis dit que c'était un bon point de repère. Et c'est à peu près kiff-kiff sur les... C'est à peu près kiff-kiff sur les 8 premières, mais par contre, si tu compares au global, c'est plus court que la moyenne. Ok. Mais comme tu dis, comme les 8 premières du jeu de base qui sont plus courtes, voilà, plus courtes que les autres. Oui, d'accord, je vois. Et merde. Parce que par exemple, Dojo Ninja en vrai est extrêmement longue par rapport à la moyenne des maps. Oui, elle est longue. Merde. Tout est cassé, quoi. C'est sûr, non, il s'appelle un truc de merde. Oh, Rayou, c'est pas de chance, ça. C'est pas de chance, là. Question la rouge. Et merci, Antoine. Mais je t'en prie. Ouais, je reset le mental. Faut reset le mental, faut reset. Après, c'est pays fromage, hein. Pays fromage, tout peut se passer. Le pire comme le meilleur. Exactement. Non, mais en fait, j'ai des mauvais moves. Je fais n'importe quoi. En gros, je spam pour que l'objet proc plus vite, sauf que je spam. Oh non, ça, j'ai pas pris le choix. Oh là là. Je fais de la merde. Rayou qui n'a plus dit un mot. En train de manger. Bah, non, en train de me balancer des rouges à la gueule à l'infini, ouais. Tu manges quoi? Oh non, ça suffit. Tu t'es servi quoi là? Je mange un petit sneaker là. Let's go, trop bon sneakers masterclass. Parce que j'ai pas mangé avant le live. Je suis un peu teubé. Putain, elle est trop stylée ma voiture, elle a un sound system dans le coffre. Putain, mais oh il faut arrêter là. J'ai un coach room. Oh non! Qui c'est qui a un bill là? Mais le tien! Let's go! Mais le tien qui triche! Oh la chatte! C'est très grave de tricher comme ça. Let's go! Oh la chatte! C'est pays fromage, hein! On l'a dit, un pays fromage, tout peut se passer. J'étais premier toute la game! Non, par contre, c'était moi qui étais premier toute la game. Et bah, pas mal, ouais, super. Let's go! GG! Deg! GG! Come back. Terrible. Top 1 FFS, bien sûr. Bon, allez, Panam. Montagne Choco, c'est la gourde là. J'avoue, Montagne Choco aussi, Montagne Choco. Ah, Montagne, oui, pardon, je voulais mettre Paris, pardon, excusez-moi. On ne t'en veut pas, ça ne tombera pas dessus, t'inquiète. Je suis désolé, putain. Non, mais ça tombe dessus, t'es plus jamais invité. Non, mais de toute façon, je me suis fait à l'idée que ce serait la dernière fois. Bah, c'est sûr. Florence, y'a aucun problème. Tout à l'heure, vous m'avez fait des grognards. Tu participes au FFS, Florence? Bah, ça dépendra quand ça tombera, parce que ça va être sur mon déménagement, je pense. Pas dans le concert d'Angèle. Ou pendant un concert d'Angèle auquel je ne participe pas. Ou pendant la campagne de Zemmour à laquelle je vais participer malheureusement. Ah ça par contre ouais, je suis au taquet. Ouais. On derrière. J'ai une petite campagne présidentielle à mener aussi. Non mais en vrai il y a des gens qui ont vraiment pile pendant les... Eglantine Arnoux. Oui bah tu fais même pas du nom de ton adversaire Antoine. Bah oui c'est fini. Fait toi je t'appelais le veilleur pendant tout le long donc. Eglantine Arnoux. C'est qui Eglantine Arnoux? C'est Florence. Tu connais pas Eglantine Arnoux? Le personnage qu'elle a incarné pendant le JDR, non? Ouais, c'est ça. Ah oui, 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 oui. Ah, je pensais que c'était RPZ, je suis con. Non, c'est Joséphine de Boucouille. Non, mais c'était un autre prénom des yeux. Ah, oui.
RPZ, j'ai pas eu trop la ref, ouais. Malheureusement, pas trop joué. Tac. Tac, tac, tac. Non, c'était quoi le nom pas trop joué, c'était la Zilan, non? Bah ouais, c'était la Zilan. Ouais, c'était... Mais oui, trainait, c'est vrai, je me souviens. Ah, c'était... C'est un peu timing. C'était vraiment... Le training était vraiment hardcore. Autant là, je joue beaucoup, mais... Je joue en live et tout, tu vois. Et pour le fun. Non, mais je te jure que moi, c'est comme ça que je m'amuse. Genre, c'est vraiment comme ça que je m'amuse. Genre, je prends trop de plaisir. Mais l'année dernière, c'était genre des scrims, des trucs vraiment très hors live et tout, du coup c'était différent quoi. Mais c'est fou comme on traîne beaucoup mieux hors live que en live, hein. Quand même la différence est, normal, est notable, de ouf, tu vois. Bah ouais. C'est... Bah là, je te jure que toutes les heures que j'ai utilisées, il y en a plein qui servent à rien. Hein. Bah, ça sert à rien, je sais pas, mais c'est pas la même chose quoi. Et tu stream moins, pense, du coup, pour traîner la Zilla? Non, je stream toujours, mais on se retrouve après hors live parfois avec Wingo ONU pour faire de scrims, ce genre de trucs. Ça dépend quoi. Ah, cette année, vous allez le faire, hein. Vous allez le réaliser. On scream, hein. Vous avez une équipe qui est pas mal du tout, en vrai. Ah ouais, mais franchement, ONU et Wingo, c'est des monstres, hein. Les deux, c'est des monstres de tryhard aussi, tu vois, donc c'est stylé. Ouais, carrément. C'est stylé, mais on va dire que c'est plutôt à moi aussi d'essayer d'arriver bien préparé. En fait, c'est surtout ça, faut juste que je me prépare. Que, tu vois, de pas avoir de... Putain. Pas avoir de putain, tu vois ce que je veux dire. Non, mais juste pas avoir de frustration en mode, putain, si j'avais passé juste 10 heures de plus sur ce jeu, j'aurais été tellement plus à l'aise pour ça. Tu vois, c'est ce genre de choses que j'ai pas envie. Moi, c'est un truc que je pourrais pas faire, c'est vraiment le training comme ça, tout ça. Ah, c'est moi, j'aurais bien. Ah, oui. Mais j'aurais trop peur, honnêtement, hein, j'aurais trop peur des conséquences que ça pourrait avoir au niveau viewer et thune, je vais pas vous mentir. Au niveau purement professionnel, tu veux dire? Après, En fait, si tu streams sur des jeux, il y a des jeux qui sont quand même un peu durs à regarder, et j'aurais trop peur d'avoir une période vraiment de creux, en fait. Mais en fait, pour moi, c'est un truc à amener. C'est un mois, mais ça peut être long. Oui, mais c'est une aventure à amener, c'est-à-dire que les gens qui te regardent, ils savent pourquoi tu joues à ces jeux-là, et ils savent qu'il y a une fin, tu vois, ils savent que c'est pour ça, oui, c'est à ce moment-là, c'est go, et que dans 3 semaines, c'est fini, tu vois, c'est juste, c'est une aventure. Et d'ailleurs, heureusement, moi ça m'irait pas du tout de faire ça toute ma vie, de tryhard H24 comme ça, mais il y a un storytelling, tu vois. Ouais. T'imagines la honte, ce genre de tryhard tout le temps et tout. Non, parce que mec, il y a non, mais tu fais pas que ça. Dans Elden Ring, mais oui, mais c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil du tout. Oui. En fait, là c'est un training sur le long terme. Pourtant, tu tryhard, mais tu sais que t'as une chance de gagner le cash prize à la fin et tout, pourquoi pas, mais tu sais, dans mon cas, je me dis. Bah, moi non plus, moi aussi. Moi aussi, je sais que j'aurais pas le cash prize, c'est du fun, enfin c'est du fun tryhard, tu vois, mais c'est du fun dans le sens vivre une aventure, tu vois. Ouais, non, mais en fait, je trouve ça cool sur l'idée, mais il y a aussi cette part de truc qui me retient un peu, en mode, dans quelle mesure ta commu, enfin quand je dis ta, c'est pas forcément la tienne, mais la commu, elle suit sur tous les jeux, tu vois. Parce qu'il y a des jeux qui sont très sympas à stream, genre... L'année dernière, c'était un enfer, hein. L'année dernière, c'était un enfer, mais en fait, on se concentrait un peu sur les jeux streamables et il y en avait que... 2-3 et le reste, on faisait tout hors live quoi. Oui, là cette année il y a particulièrement beaucoup de jeux. Le nom du jeu de vélo là. Trials. Ouais, Trials, je trouvais que c'était super cool en stream. Bah, Trackmania aussi. Bah, ça a été mon jeu refuge. En fait, l'histoire est trop belle parce que c'est le jeu que j'ai préféré, ça a été ma découverte de fou et j'ai joué 250 heures et c'est le jeu qui nous a fait gagner la LAN. Du coup, c'était un peu le. Parce qu'en fait, c'est grâce à ce tryhard là qu'on a réussi à clutch. Et grâce à Kenny en vrai surtout, parce que Kenny qui nous fait une réunion pour nous apprendre la map la veille. Et c'est la map qui tombe en finale et qui nous permet de win. C'est vraiment la chatte. Des cracks. Ah, bien joué. Ah ouais. Kenny nous a fait une... En fait il nous a pris, on était au bootcamp et il nous a dit « Ok les gars, cette map là on est nul dessus, venez je vous fais un truc où on décompose tout et on la fait ensemble. » Et il nous avait fait tous des extraits de clips et tout, de tout, tous les raccourcis et tout, et c'est beau. C'est Kenny. Ils sont très, très bon. Très bon. Ah, ils sont très bon. Ah ouais, ils sont très très bon. Très bon taf. Il y avait Trackmania aussi. Mais cette année, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a vraiment Trackmania, énormément de jeux trop bien regardés. Fall Guys, Apex, c'est vraiment très cool à regarder. Ah oui, j'ai jamais autant kiffé les jeux de la Zilan comme c'était présenté. Hot Wheels aussi. Hein. Hot Wheels. Moi, je suis vraiment tâté à la Riders. Moi, vraiment, en termes de jeu, c'est ma préférée de loin. Vraiment, le roster de jeu, je le trouve incroyable. Oui, c'est vrai que c'est sympa, effectivement. Moi aussi, je la préfère en tryhard, je la préfère 15 fois celle de l'année dernière. Genre, vraiment, je la préfère 8000 fois. T'aurais aimé la faire, du coup, Florence. Mais en vrai, tu sais, c'est dur, en vrai. Moi, je trouve ça dur. Ah ouais, faut train, hein.
moi je l'aurais faite, je pense, si même si j'avais plein de peurs sur plein de trucs, je l'aurais bien faite si j'avais pas eu mon déménagement au milieu, ouais. Ouais. Mais ça me semblait trop compliqué de tout gérer et tout. Puis en plus, le déménagement te prend du temps et bouffe sur le tryhard et tout. Et du coup, faut être vraiment ultra dispo pour faire que ça, parce que tu vas pas dans le but de gagner. Mais c'est histoire de jouer un peu le jeu de la Zilane, quoi. De toute façon, Zilane, aujourd'hui, si tu joues pas le jeu, c'est de la merde. C'est éclaté au sol. Bah ouais, alors, t'arrives, tu te fais pulvériser. Si tu viens en touriste, c'est inintéressant. C'est nul. Ouais, c'est nul. C'est vraiment inintéressant de fou. Merde, j'ai raté mon départ. Ouais, non, mais c'est... En fait, Zilane, il faut mettre du temps dans les jeux pour arriver et pas ressentir de frustration à juste se faire éclater sans rien comprendre, quoi. Ça, c'est sûr. C'est pas drôle, en fait. Moi, c'est ça qui me... Pour toi, tu vas t'humilier. Fous la France, ça va. Ouais, non, je me suis pris un poteau. Non, mais surtout, il y a des jeux que tu peux découvrir aussi. Bon, là, ceux qui étaient présentés, je les connaissais tous, mais je pense qu'il y a des jeux où tu peux te dire « Ah, putain, je ne serais jamais penché sur ce jeu-là », et en fait, finalement, je kiffe de ouf, et du coup, tu découvres des jeux qui... Apex. Ouais bah oui, typiquement ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Moi c'est vraiment Apex. Hein. J'y jouais jamais sans la Zilane. Et puis en fait j'ai adoré le jeu. Je l'ai explosé. Je l'ai vraiment explosé. Le jeu est trop bien. Moi j'ai aussi Motus. Hein. En vrai moi Motus, je kiffe premier degré. J'ai grave envie de. Tu faisais avant la Zilane ou pas? Du Motus non. Tu sais le sweet-tom là le soir et tout. Non pas du tout. Pas du tout. J'en faisais pas, et aujourd'hui, tu sais, des fois, je suis là sur mon PC à répondre des messages, et puis j'ai la fenêtre Tusmo et je m'en fous une petite série, quoi. C'est trop kiffant. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, c'est rigolo. Mais par contre, moi, je trouve ça... Y'a un mec, c'était un monstre. Lapin, c'est un monstre. C'est... Oh là là. C'est trop rigolo, parce que c'est quelqu'un de la commune Minecraft, qu'on connaît bien. C'est, en gros, c'est un youtubeur Minecraft. Quelqu'un qui est dev et qui a fait le plugin, par exemple, il a participé au plugin du Loup-Garou UHC pour ceux qui connaissent. Ah oui. Et c'est quelqu'un qui fait plein de plugins sur les mods Minecraft. Et c'est quelqu'un qui a participé à Motus IRL. Genre, il a fait Motus à l'émission dans la vraie vie et il est très 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 fort à Motus. Et il est aussi très fort à la plupart des jeux télé. Sur Question pour un champion, il serait vraiment chaud aussi. Et du coup, il est vraiment sur Motus, c'est une dinguerie, comment il dit. C'est vraiment une dinguerie, ouais. Ouais. Genre il a déjà trouvé le mot, moi j'ai même pas eu le temps de dire ce qui s'affiche à l'écran, tu vois, enfin c'est... Ah non, il est vraiment trop fort. Ah, j'ai jamais vu ça. Et boum. Enfin elle est trop bien cette map. Ouais, oui. Elle est vraiment trop cool. Elle est vraiment trop bien. Je me prends pas mal de murs mais c'est stylé. Ouais. Ah, ok. C'est le copain de Sylvquin, bah je sais pas du tout, c'est le pote de Sylvquin. Je sais pas si c'est lui. Non, je pense pas. Je pense pas, non. Il avait participé à Motus mais... Non, je pense pas. Putain, Ultia qui est première. Ultia qui domine le serve. C'est si intéressant que ça, le jeu Motus, c'est pas une dinguerie, tu vois, mais c'est sympa, quoi. Moi, je trouve. Le jeu télévisé, tu veux dire, ou... Non, le Tusmo, enfin, tout c'est... Ah, oui. Moi, j'aime bien. Ah, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça... C'est sympa, tu vois, mais c'est... Bah, ça vient étoffer le vocabulaire, ça vient ajouter pas mal de réflexions sur plein de choses. Moi, je kiffe. J'avoue, j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, tu trouves que ça étoffe le vocabulaire? Ouais. Ah, moi, j'ai appris plein de trucs. Il y a des mots que tu connais pas, hein, une fois de temps. Par exemple, récemment, moi, j'ai appris, tu vois, des trucs tout cons, mais genre 1000 ans. On disait branchie et pas bronchie. Ouais, j'avoue. Mais il y a, non, genre, tu vois, 1000 ans, M-I-L-A-N. Bah, je savais pas, mais c'est... Ville en Italie. Oui, mais du coup, oui. Et j'osais, en fait, pourquoi je suis tombé dessus? Parce que j'osais pas tester Milan, parce que j'étais en mode, oui, la ville, d'accord, mais il n'y a pas de nom propre. Mmh. Et en fait, Milan, c'est une race de rapaces. C'est un type d'oiseaux qui sont des rapaces, ouais, des Milans. Par exemple, j'ai appris aussi, bon, ça peut-être que vous connaissez, c'est plus connu, moi j'avoue, j'avais jamais vu, c'est un biclou. Oh. Des biclous. Non, je connais pas. Et bah, c'est un vélo, c'est une bicyclette, un biclou. Ah ouais. Tu vois, et genre, moi j'apprends masse mots, vraiment masse mots comme ça. Vraiment. Ah ouais. Ouais. Voilà. Grand respect à toi. Ouais. Très grand respect. Grand respect à toi, j'avoue. Mais j'avoue, moi je suis pas très fort en vrai. Moi je suis pas très fort du tout à ce genre de truc. Je suis à chier. Moi ça m'arrive d'avoir genre les Tusmo et compagnie. Genre avoir les 4 lettres dans le bon ordre. Il m'en manque juste une et ne pas trouver le mot, ne pas comprendre. De ouais, quoi, ça, oui. De ouf. Après c'est comme tout, hein, ça s'entraîne, il y a des mécanismes et tout. C'est pas mal. Bien sûr. Ah, Pro Soccer Online, c'est vrai qu'il y a Pro Soccer Online aussi. Jeu de fou, Pro Soccer Online, mais tellement demandeur mécaniquement, c'est fou. Enfer.
Il y avait un truc qui m'avait grave découragé pour la Zealand, c'était Rocket League aussi. Parce que tu sais que même si tu passes 200 heures sur le jeu, tu seras toujours une merde parce qu'il y a trop de gens qui sont trop forts. Oui, ça c'est sûr. J'ai 600 heures sur le jeu maintenant. Genre vraiment, j'ai explosé le jeu. C'est tellement bien. Je trouve que c'est vraiment un jeu où pour se détendre et tout, c'est incroyable. Mais ouais, c'est long quoi. Mais pour rattraper ton retard, la courbe de progression, c'est quasiment irrattrapable. Ouais, c'est vraiment long. Ça fait déjà un triathlon. J'ai jamais été bon. Sur quoi? Le Rocket League, j'ai jamais voulu pousser plus loin que ça en fait. Mais tu y as joué beaucoup? Non, pas tant que ça en vrai. Ah, parce que. Sympa, mais oh non, pas ici, JD! Oh, je trouve ça sympa, mais. Quel enfant. Non, je trouve ça sympa, mais j'avais pas envie de pousser plus que ça. Ouais, c'est tout. Oh l'enfoiré, il y a beaucoup de joueurs, non? Putain aussi, non. Ouais, moi j'y joue avec des potes, mais pas en ranked ni rien, vraiment juste pour se détendre à la cool. Je progresse pas beaucoup, mais c'est plus histoire de, ouais, de se détendre, quoi, de jouer tranquille. Jouer histoire de quoi? Quoi? De quoi? Tu joues à des jeux pour t'amuser, mec? Ouais. C'est cringe. Pour le coup, c'est très bizarre, mec. Moi, je suis pas un vrai streamer à la base, hein. Oui, t'es youtubeur comme moi, effectivement. Oui, oui, voilà. Youtubeur critique pub musique. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, c'est lui. Oh, j'ai déjà troqué le cul, je viens troquer le cul, je viens troquer le cul, voilà. Voilà, ça t'apprendra. Oh, oh. Oh, elle dégoûte cette course-là, putain. Putain, j'ai trop les nerfs, j'ai tellement bien joué. Oh, what the fuck. Bonsoir Ponce, petit message pour te prévenir que tu t'es pas co depuis 10 jours sur Lost Ark, donc le jeu m'a automatiquement promu maître de guild. Ah, j'ai perdu ma place de maître de guild sur Lost Ark. Putain, j'avoue, mec, trop dur. Tu veux pas jouer un bon mémoire, un joueur, peut-être? Je sais pas. Bah, le jour où il y a du bon PVP sur ce jeu, ouais. Bah, j'avoue, t'as raison! Mais ouais! Bah, ouais! Je sais. En plus, le Star, il paraît que c'est très très bien pour de vrai. C'est vraiment un bon jeu, ouais. C'est objectivement un très bon MMO. Ouais, très très bien. Il était gratuit jusqu'au niveau 60, quoi. Belle. Belle. Putain, 10 jours dans une guild, tu perds ton rang de maître de guild pour le donner à quelqu'un. C'est bizarre, ça, quand même, dans un MMO, j'avoue. C'est un peu chelou. Ouais. Je joue, ça commence à me gonfler. Bah, après, chacun. Hein. De toute façon, mais moi, Lost Ark, de ce que j'en ai vu, ça donne envie, tu vois. Mais je vais pas me foutre dans un deuxième MMO. Ah oui. Laisse tomber. C'est hors de question. Mais non, ça a l'air vraiment, vraiment cool, Lost Ark. Ça a l'air vraiment sympathique, là. Moi, je reprendrai Lost Ark, je pense, après Zealand, quoi. Et du coup, pendant Zealand... Tu vas streamer que les trucs Zealand? Ah non, tu streames Elden Ring, mais tu streames pas le... Et il y a Kirby le 25. Et il y a Kirby, ouais, vendredi, là, sort, Kirby, vendredi ouais, prochain. Arrive, là. Bien, j'ai trop hâte. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment très très... Et je pense que ça peut être vraiment un bon jeu de plateforme, je pense. Donc, du Kirby, mais j'avoue que à part Kirby, bah là, Mario Kart, parce qu'il y a des nouvelles maps... et le tournoi du dimanche et le maître des fleurs parce que bah c'est des créneaux que je kiffe et tout. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de créneaux en vrai. Bah ouais, bah ça fait 3. Ouais. Ouais, ouais. 3 sur 3 en fait. 3 sur 3. 3 sur 3. 3 sur 3 sur 6 pardon. Ouais, ouais, ouais. Mais après voilà, il y a le training hors live aussi. Tu kiffes Elden Ring? Ah ouais, de ouf. J'aime beaucoup, mais incroyable. J'ai très peu d'heures de jeu. Hein. J'ai très très peu d'heures de jeu. J'ai genre. Là, je crois que j'ai genre 13-15 heures de jeu, je crois, je sais plus. Donc, vraiment vraiment incroyable Elden Ring. Ouais, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. En fait, ce qui est kiffant, je trouve, c'est vraiment cet aspect RPG où genre à tout moment tu modifies ce que tu veux pour jouer autrement et tu personnalises après, tout. Moi, je restais un peu statique par rapport à des trucs, mais parce que j'aime bien la façon dont mon build en fait. Ouais, comment tu joues? Oh, non. En vrai la même, hein, j'ai pas changé beaucoup de choses, mais malgré tout notre perso il nous ressemble de fou, tu vois, genre sur tes armes, tu changes les comment ça s'appelle, les cendres là, je sais plus comment ça s'appelle pour avoir différentes choses. Moi j'ai gardé le trait de base en fait. Hein, Et tu le joues en normal? Ouais. Ok. Ah, c'est kiffant, je sais pas, j'aime bien. T'aimerais la faire le trait toi, la Zila? Non, pas du tout. Absolument pas mon genre. En fait, on peut, sauf si c'est genre des jeux type Mario Kart Smash, jeux des sœurs, enfin tu vois, que des trucs comme ça. Mais sinon,
J'ai été littéralement première toute la game. Mais sinon non, pas du tout, parce qu'en gros, moi j'ai aucun esprit de compétition. Et du coup, je vois pas trop le fun. Enfin, comme je sais que je serai naze, enfin, tu vois, même si je tryhard, j'aurai jamais le niveau des gens qui y participent. Oui, mais tu tryhard Mario Kart là, en ce moment. Ouais, et parce que c'est mon jeu et que pour une fois que je peux faire tu vois, je le fais. Première là, en plus, d'ailleurs. Ouais. En gros, en fait, je sais que même si je tryhard les jeux de la Zilan et qu'il n'y aura jamais Zilan où il n'y aura que des jeux que je connais bien, et ben même si je tryhard les jeux de la Zilan, je ne serai jamais aussi bonne que les autres qui s'inscrivent. Et du coup, je n'ai pas trop de fun à juste me faire laver sur des jeux vidéo pendant un week-end et sacrifier ma proc pendant une semaine. Tu voyais ce que je veux dire? Je suis un peu comme Multia aussi. En fait, il faudrait, pour que je participe à un truc pareil, que ce soit vraiment que des jeux que je kiffe. Voilà. Et là, je pourrais y réfléchir. Mais si, à partir du moment où il y a juste 2-3 jeux où je me dis, je vais absolument pas m'amuser, c'est pas mon style de jeu, etc., j'ai giga la flemme parce que pareil, j'ai pas du tout l'esprit de compétition et compagnie. Et du coup, c'est. Je comprends totalement ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas eu tout l'esprit de compétition, mais je me dis, putain, c'est l'occasion peut-être de me pencher sur des jeux que j'aurais pas focus dessus en temps normal. Mmh. Et en fait, tu fais quand même, tu vois. Ça permet de développer des skills que t'as pas et tout aussi. J'aime bien ce truc-là. Après, moi, c'est un truc qui m'amuserait pas trop en vrai de faire ça. Après, je comprends le côté Ouais, voilà, exactement. Comme Antoine, en fait, ça ne m'amuserait pas, en fait. Je comprends le côté un peu. Épopée, tu vois, le côté je pars un peu de rien et puis je vais essayer d'arriver à quelque chose d'intéressant au final et tout, mais je sais pas, c'est pas trop un truc qui me tente plus que ça, tu vois. Ouais, je comprends. OMG, la Zilla Nintendo. Ah, ce serait insane. Ah, c'est pas marrant. C'est ça, en gros, c'est pas marrant d'y être sans avoir un bon niveau. Exactement. Smash ? Petit Smash, moi je suis chaud, petit room Smash.